My boy. Eh ouais, on a bossé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai bossé. Vous pensiez que moi, quand je suis pas là et que je stream pas, je fais rien? Mais moi, je te lèche le cul. Pendant que tu dors, je t'attrape, je te ligote et je te lèche le cul, moi. Et ouais, donc Resident Evil. Je le disais tout à l'heure sur le chat, je suis entièrement nerveux à l'idée de streamer Resident Evil HD Remaster parce que j'y ai joué, je sais pas, une heure et demie. Récemment là, histoire de voir comment ça passait, juste avant justement de me décider de le foutre en stream, et je me suis fait remplir le cul incessamment. Je suis mort un nombre incalculable de fois. Je trouve que le jeu est extrêmement difficile parce que quand tu reviens de Resident Evil 2, j'ai l'impression que c'est un tout autre jeu quoi. Resident Evil 2 était relativement facile, j'ai pas eu trop de problèmes, mais sur celui-là c'est vraiment c'est pas les énigmes qui vraiment m'ont dérangé, c'est vraiment au niveau de tu te balades, t'as un zombie, et bah poteau, commence à paniquer quoi. T'as pas de munitions, les zombies sont complètement vénères, et ça va être la fête quoi, ça va être vraiment la fête. Allez c'est parti, Resident Evil, vas-y, dis-le-moi, susurre-moi à l'oreille. Resident Evil. Evil. Ma boy. Alors, affichage large, impec, commande originale, on est des beaux gosses, et ça, bah écoute, c'est parfait, hein? Parce que c'est ça qui est cool aussi avec le remaster, c'est qu'il te permet d'arranger pas mal de trucs. Alors, entre commande moderne et originale, ce qui change, c'est que original, t'as accès que au temps de contrôle. Donc, j'espère que vous savez ce que c'est le temps de contrôle. En gros, peu importe où ton personnage se trouve, si t'appuies sur le haut du D-pad, ton perso marchera. En avant, en face de lui. C'est pas comme un twin stick shooter. Il marchera vraiment en avant. Et si t'appuies sur gauche ou droite, il va se tourner sur lui-même comme une tourelle de tank. C'est pour ça qu'on appelle ça le tank control. C'est comme une tourelle de tank. Et les commandes modernes, c'est comme un twin stick shooter. C'est-à-dire que où tu inclines ton joystick, il ira dans le sens de l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme Hotline Miami? Hein, voilà, ça va être plutôt ça. Mais je préfère partir en mode temps contrôle, même si ça va me buter. Oh, je préfère partir là-dessus. Vu qu'on a fait RE3, RE2 et RE1 sur le stream, faudrait faire RE0 par la suite. RE0, je l'ai vu en vidéo et je pense pas que je le ferai parce que je suis moins fan. Je le trouve un peu bordélique, mais Adwim assez hype à faire Code Veronica X, et même si c'est une galère, même quitte à le one-off, je pense que je préférais essayer de faire Code Veronica X. Je préfère partir en mode temps contrôle parce que j'aime m'infliger des trucs. C'est ça. Bah tiens, fais-le Spider Resident Evil 0, tiens, bim, assigné à résidence, comme on dit. Quel est votre style de jeu old school? Vous êtes un hardcore gamer, vous aimez... Pourquoi tu me demandes? Alors, on a le choix du coup entre Chris et Jill. Je sais pas si ça change quelque chose, comme dans les trajets Claire et Léon dans le 2. Jill, ça dit Jill. Ouais, calmez-vous, il y a même Hoffman qui a crié « Boobs !» Mais je sais pas, regarde, on a quand même accès à Chris Redfield avec ses jambons au niveau des bras. Est-ce que t'as vu quand même que le gars, il a pris environ 60 kilos de muscles entre les deux? Le mec, il a aucun respect pour son corps, quoi. Il a du juice de bâtard. Mec, prend Jill, costume RE5. C'est ça? Donc ouais, Jill, on a le choix. Je la trouve plus mignonne avec son béret, mais écoute, si vous êtes plutôt sur Jill... Jill casquette, c'est ça? On part tous sur Jill casquette, est-ce qu'on est d'accord? Jill casquette, c'est le mec qui picole la bite 6 au camping. Vous le connaissez pas? Jill RE1. Béret, Jill casquette. Ah, je sais pas, ça part plus sur du béret. Allez, on part sur du béret. Jill Valentine. There's so much porn about her. Casquette, basket, branlette. Waouh, quel poète. Juillet 1998. À la recherche d'un hélicoptère d'un groupe de compatriotes, l'équipe Bravo qui a disparu en cours de mission. Je fais 60 minutes inside. Voilà, c'est le problème d'être malade. Des gens qui mangent des gens, mais... mais où sommes-nous? C'est dommage que ce soit plus la cinématique pourrie avec les acteurs. Ah oui!
Ah oui, j'avais vu des webm de ça. J'ai pas vu la cinématique originale, mais j'avais vu les webm avec l'acteur qui jouait Wesker et tout. Là. C'était dégueu de ouf ça. Oh, Nani? Joseph? Kevin? Ah ah ah! Ça met pas bien quand même, hein. Au niveau de l'ambiance, ils l'ont super bien travaillé. Regarde-le lui là, c'est avant qu'il devienne Matrix. C'est Chris ça, avec sa petite tête de mec qui a pas de bras. J'ai vraiment du mal à le reconnaître, hein. Je crois que j'ai pas assez torché le reste de la série, et du coup je le connais beaucoup trop dans Resident Evil 5, et du coup j'ai du mal à le voir comme ça, j'avoue. C'est là que les acteurs est très bien pour les mêmes, mais celle du remake est très classe. Ah oui, c'est clair. Nani? Beret Boy. Qu'as-tu vu, Beret Boy? Ça va faire peur, là, ou quoi? Putain, attention. La vache, technique de l'élastique. Nightmare, nightmare, nightmare. Ah. Oui, ça fait peur. Ok, ça fait peur. Ah. Ouais, mais non, mais ça, ils sont joueurs, ils sont pas méchants. Ils sont pas... Si tu bouges, ça va les énerver, il faut rester droit, comme avec les abeilles. Ah, bah voilà, tu vois, ils te laissent tranquille. Bandana Boy is dead. Oh, no. Oh, il est dégueu. C'est quoi, c'est un basset? Non, c'est un... Un bâton rouge. Ah, ça a giclé un peu sur Jill. Il y a un chien qui a giclé sur Jill. Vos gueules. Vos gueules. J'aime pas ça, les chiens zombies. Je vous admets que j'aime pas ça du tout, les chiens zombies. C'est dur à dire, chien zombie. Rottweiler, tous les chiens dans la Resident Evil, c'est des rottes. Bah non, regarde leur museau, il est bien trop... C'est pas des molossoïdes. Chris this way. Oh, le vieux doublage, le mec, il a mal mis sa virgule, quoi. Chris this way. Mais non, regarde, on dirait des... Merde, Doberman, c'est les Doberman. C'est pas des Rottweiler. Ah si, c'est les Doberman, ça. Les Doberman. Chris this way. Il a mis la virgule à la fin, et je crois qu'il le fait deux fois, ça. Tenter de survivre dans un monde. J'ai pas lu la fin. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. He's in the bathroom. Yeah. Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Cute. Jill, no. Claimed. You don't want to go. Tu vois, il a encore fait Jill, no. Il a pas fait Jill, no. Il a fait Jill, no. Chris? No. Jill, go and investigate. Jill, no. Voilà, c'est ça. En un seul mot, funéral. Ouais. Jill, no. Chris and I go back a long way. All right, you two go. I'll secure this area. Et en fait, à ce qu'on voit dans Resident Evil 2, les Stars, c'est un peu des branleurs, non, dans le lore de Resident Evil. Parce que leur bureau, c'est le bordel, il y a des guitares, il y a des vestes à la con en cuir et tout. Ça, en fait, c'est des bourrinos, les gars, quoi. C'est la section exprès de bourrins, quoi. A dining. Ok, voilà, donc on est dedans. Donc le temps de contrôle, c'est ça, là je suis en train d'appuyer sur droite, hein. Je démontre quand même pour ceux qui savent pas, même si je sais pertinemment que vous savez tous. Et en gros, si j'appuie sur haut du D-pad, ça me fait avancer, peu importe dans quel sens où je suis. Comme un tank, comme une tourelle de tank. On va prendre le ruban qu'il y a là. Tac, voilà. On va faire une save dès maintenant, tout de suite, parce que je vous assure pas que ça passera, que ça partira pas en couille. Je veux pas faire de promesses. Alors ça, c'est la save que j'avais fait avant. On va carrément l'écraser. Pas de save state, le jeu devient 100 fois plus difficile. Non mais ça, carrément. Ça, c'est clair. Oh, oh, oh. Physique sur les nichons, les gars. Physique. Eh, mec, c'est tellement pas nécessaire. Mais c'est tellement pas nécessaire. Elle doit avoir plein de trucs harnachés autour de ses seins. C'est pas la peine de les faire jiggle comme ça. C'est pas Ivy. Putain, les gars, quoi, fallait absolument faire jiggle quelque chose. What is it? It's poop.
Voilà pourquoi les Jill, c'est ce qu'il y a de mieux. La pauvre, quoi. Pourquoi Barry, il jiggle pas, lui? Ça le fait pas sur son autre costume. Ah ouais, en plus, quoi. Vraiment pas de respect, hein. Oui, parce que son autre costume, je crois que pour le coup, elle est vraiment harnachée de partout, quoi. Alors. Voilà. Ça par exemple, tu vois, bah, je savais pas que ça... ok, d'accord. Donc, Resident Evil 1, je crois, est beaucoup plus basé sur les objets que... Je connais pas beaucoup, je vais avoir besoin de votre aide pour jouer au jeu correctement, parce que je connais vraiment pas beaucoup le principe, enfin, le déroulement du jeu. Resident Evil 2, encore, tu peux te permettre un petit peu d'y aller à la zob, j'ai pas eu de problème. Mais Resident Evil 1, j'ai l'impression qu'il est bien plus compliqué, bien plus en colère. Alors, du coup, est-ce que j'ai les bonnes touches? Attends, je vais voir ça vite fait, par contre. Commande. Est-ce que je suis sur le bon control scheme? Ouais, c'est bon, ça. Ok, courir en chargeant, en visant. Ok, impec. Pourquoi son baril il jiggle pas? Bah ouais, je sais pas. Diego. Tout. J'adore ce truc. Et dans Resident Evil 2, hein, le passage où justement ce temps-là, enfin la porte s'ouvre sur les zombies, ça m'a terrifié, hein, même quand je l'ai fait la semaine dernière, vraiment. Hein. Je sais pas si on a des moments comme ça dans le premier, je crois pas. Et là. Oh là là. Ok, donc on va se casser. Parce que je crois que du coup, il y a un trick à faire. C'est que si tu rentres pendant que t'es poursuivi avec Barry, il va pouvoir s'en charger pour toi. Il me semble. Et je sais pas si ça peut se faire encore après. Remarque, non, parce que Barry se barre, donc... Barry! Help me, fatty! Fuck him up! Let me take care of it! C'est ça, reprends bien ta position. Con ce Barry! J'aime trop ce gars. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. It's like an African! Ok, allez. Allons voir Matrix avant qu'il devienne Matrix. C'est vraiment beaucoup trop drôle dans Resident Evil 5 ce qu'ils ont. Nani? Il y a eu un bruit de zombification là. Allô? Ah mais il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Il y a un zombie qui a fermé la porte carrément. Mieux vaut en informer Wesker. D'accord, ok, bon, on se casse. Barry White. Vraiment un coup de magnum, ça suffit, il est nul Barry. Le pauvre, il est stressé, laisse Barry tranquille. Ouais, je crois qu'il y a un zombie qui a fermé la porte. Genre, il a fait « Ah, je chauffe pas dehors !» Clac. Ton père, il est pas vitrier. Clac. Wesker. Jill. Where are you? Let's not leave this hall. Good idea. Ok, let's go. Alors déjà, franchement, je dois admettre que même quand tu le mets le jeu en large... le widescreen gâche absolument rien du tout et le jeu est vraiment très très joli. Il y a certains moments qui jurent un petit peu au niveau des textures de background. D'ailleurs, on voit une espèce de screen space reflection qui est un petit peu niqué, mais le jeu est vraiment super joli. Hein. C'est fou comme il ressemble à Christophe Lambert quand il enlève ses lunettes et qu'il louche. Salut Dolly. Alors, Wesker. J'ai tous les virus, viens voir. J'ai le virus T, le sida, la dingue. La toile a été bien conservée. Les personnages ont gardé leur éclat d'origine. Ah, c'est qui? C'est Jésus sur le truc là? J'arrive pas à reconnaître. Je sais pas si c'est Jésus ou pas. Alors il y a plein de trucs à examiner, je sais pas si on pourra tout examiner. Je pense que je louperai d'ailleurs énormément de choses durant mon avancée dans le jeu. Je pense vraiment que je vais passer mon temps, en fait, à louper des choses. Any luck, Jill? No, nothing. No, it's fucked. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. Ah, mais surtout pas Barry qui va essayer de trouver des réponses, quoi. We can search for him separately. Barry, il arrive déjà pas à regarder le film en même temps, lire les petites lettres en bas. I'll try the door on the other side. Ouais, c'est pas... Ça, franchement... Ça, c'est un plan, mais... Qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi? Okay. On couvrira plus de terrain. J'adore ce truc. On couvrira plus de terrain.
Alors, aussi loin que je me souviens, il me semble qu'en fait, le but dans Resident Evil 1, c'est plus ou moins de taper... Jill Sandwich. C'est plus ou moins de taper les zombies un petit peu, histoire de se laisser du temps pour passer plus que de les buter. C'est bien ça? Parce que dans le premier playthrough que j'ai commencé, du coup, j'ai joué une heure, quoi. C'est vrai que c'était un peu compliqué de les buter. Les zombies sont très très résistants et j'ai l'impression que c'est plus simple de juste les stun un petit peu et de passer ensuite. C'est peut-être plus dur par la suite pour le backtracking parce que du coup tu te retrouves avec des zombies qui ont été juste abîmés et qui sont pas morts. Mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui est important. Ok. Y a pas énormément de zombies, tu vas pouvoir tous les tuer normalement. Ok, d'accord. Ok, donc. Femme puisant de l'eau. Elle a quelque chose sur l'épaule. Du coup, ça va aller un peu vite au début parce que je sais un peu par où passer. Non, mais non. Mais Jill. Enfin. Jill Valentine. Jilux Valentine. Non, c'est quoi déjà la marque de peinture? Je me souviens plus. Par contre, il y a une nouvelle feature sur les cadavres. Je te laisse découvrir. Je connais. C'est les Crimson Heads, c'est ça? Alors, me dites pas si je me gourre ou pas, mais il me semble que si tu laisses des cadavres, des fois, ils ont une chance pour se transformer en gros en putain de zombie bâtard ultra plus balèze et ils vont me faire me chier dessus. Dans le 2 remake, il faudra faire pareil, les mettre à terre et courir sa race. Ouais, ce sera plus facile dans remake. Ok, donc déjà on a la carte, ça c'est bien. Donc on est là, la carte est plus ou en plus, elle est pas mal expliquée la carte, je trouve. Elle est pas mal du tout, très agréable à lire. Alors, il y a un zombie ici. Oh la vache, l'ambiance, les angles de caméra fixe, c'est vraiment génial. Il y a des screens un petit peu... Je sais vraiment pas s'ils sont fake ou quoi, mais j'ai vu quelques screens sur V d'angles de caméra fixe pour RE2 Remake. Je sais vraiment pas si c'est legit ou pas, mais je prie pour que ce le soit. Ça va faire peur, là, c'est ça? Il y avait pas un zombie ici avant? Alors oui, je sais pas si c'est dans le jeu original, mais maintenant, tu peux faire un quick turn. Et il me semblait pas qu'on pouvait à la base. Parce qu'en tout cas, dans Resident Evil 2, on peut pas. Il me semble définitivement qu'on peut pas faire de quick turn. C'était pas dans le premier. D'accord, ok. Ils l'ont bien rajouté plus tard. C'est pas mal. Ça, c'est, ouais, c'est super cool. Carrément que c'est super cool. Et du coup, je peux vous montrer quelque chose. Donc voilà, on vient de choper les poignards. Ça, c'est un truc, en fait, dans Resident Evil 2 Remake, qu'ils ont rajouté la mécanique des poignards. Je pensais que ça avait été, genre, ajouté comme ça, sans trop de discernement. Mais non, en fait, c'est bien une mécanique qui était déjà dans le premier. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, j'aimerais bien vous montrer aussi tout à l'heure les commandes modernes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Il n'y a pas de zombie? Ah bah si, voilà, il y a un zombie. Oh là là, oh là là, là 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 là. Ah! Oh la vache, il fait peur. Oh la vache, en plus, il a l'air gigantesque. C'est un peu comme dans Okuto no Ken, où t'as certains ennemis qui font 3 mètres. Tire! Tire, Jill! Tire, Jill! Tire, Jill! Tire, Jill! Tire! Ok, dans ta gueule. Sale enculé de raciste. Ok, je me casse. Et voilà. Et il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux se barrer comme ça plutôt que de rester et d'attendre qu'il soit définitivement sûr. Sûr de ses positions dans la vie. It's alive! Alive! Ça me rappelle Weird Science. Vous vous souvenez de Weird Science? C'est quoi le nom de Weird Science en français? On peut pas récupérer le couteau, mec. On peut pas récupérer le couteau. Si? Non, 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 je crois qu'on peut pas récupérer le couteau. Attends, je vais retourner voir histoire d'être sûr que Spider dit de la merde. Non, tu peux pas, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Weird Science, je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est pas Véronica 2000, c'est un porno. C'est quoi ces deux mecs qui arrivent à créer une nana? Qui réveille une nana, et justement c'est ça l'intro là. Weird Science. C'est comme Rao qui fait genre 6 mètres et son cheval qui est plus grand qu'un camion. Ou Devil's Rebirth, qui fait 30 mètres de haut. Alors, on peut se balader un peu partout, je pense que je vais me paumer énormément. Le jeu te fait backtrack en permanence, tu passes dans les mêmes coins en permanence. Allô? Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller là. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté, mais en même temps, je suis pas sûr de savoir. Je suis pas sûr de vouloir savoir. Est-ce qu'on peut aller ailleurs dans les petits couloirs? Tiens, oh non, on va aller, on va commencer là direct. C'est verrouillé. L'emblème d'un casque est gravé sur la serrure. Nani? Nani Deska? Salut Tajin. On va retourner voir là où l'autre zombie s'était barré tout à l'heure.
Y a un truc aussi que je me demandais, y a définitivement pas de coffre ou le truc comme ça dans Resident Evil 1, il me semble, où tu peux transférer tes objets, les stocker et tout. C'est bien ça? Parce que du coup, moi, je m'étais retrouvé niqué, où j'avais trop... je m'étais trop baladé, j'avais trop... Si, y en a? Ah ouais? Oh! D'accord! Oh bah c'est cool, par contre, je l'avais pas trouvé, du coup. J'avais pas trouvé où était le coffre. Bon bah du coup, c'est rassurant, c'est cool. Le corps de votre camarade, Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Grosse bite récupérée. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Oh, il doit avoir ça, Spencer. Un vieux VHS. Faudra juste virer la cassette de... Non, c'est con, en fait, je voulais pas sortir. Pardon, reviens, Jill, c'est de la merde ce que t'as fait. Ah, j'aime pas ces portes. Je veux plus jouer. Spider, viens jouer à ma place, que je puisse commenter comme sur Resident Evil 4. Ah. Ok, bah finalement on va aller par là, on va voir ce qu'il y a là-bas, hein. On va faire ça. Hop là. Weird Science, s'il y en a un. Mais du coup, il est où le coffre, je comprends pas, parce que quand j'avais un petit peu avancé quand même, et j'avais pas vu de coffre. Alors je crois qu'en plus, c'est un petit peu comme dans Resident Evil 2, il y a des endroits que tu peux activer, où tu ouvras des munitions, un truc comme ça, qui sont pas forcément évidents. Oh la vache, les angles de caméra, mais ils sont... Mouah ! Impeccable. Ah voilà, des munitions, impeccable. Munition de pistolet, c'est cool. Je vais essayer d'être très... je vais essayer d'être un petit peu, pas avare, mais de faire attention à mes munitions. Parce que je sais que j'ai tendance un petit peu à en foutre partout. Et là, j'ai envie de rester quand même un peu confortable. Eh, voilà, impeccable. C'est dommage qu'aujourd'hui il n'y ait plus trop de jeux avec des angles de caméra fixe. Bah ça permet d'avoir des moments mais tellement... C'est à la montée de cet escalier, tu vas voir, Momo. Je pense que tu le connais le jeu, hein, mais il y a un angle de caméra qui me tue. Il y a un cadavre au sol. Il semble être mort sur le coup. Bon sang, que s'est-il passé dans ce manoir? Mais enfin... Une grande cage à oiseaux. Il y a un corbeau mort à l'intérieur. En plus, il y a un petit effet de réflexion là, mon gars. Regardez ça. Oh, regardez cet angle de caméra là. Regardez. Oh, mec, il est sensationnel, putain. J'adore. C'est tellement flippant. Il y a des angles de caméra en plus qui sont genre derrière des fenêtres. Comme si t'étais en train d'être observé par quelqu'un. Je trouve ça génial, quoi. C'est parfait, quoi. Maintenant, on a les let's players qui bougent la caméra au moment où il se passe quelque chose et qui loupent tout. Ah, le futur. Ok, ça c'est pas bien. That's not good. Bah si, scout. Je vais laisser la plante verte là pour l'instant. Ah là là. Écoute, on va aller là pour voir. Kino, comme diraient les autres. Ouais. Bah, j'adore ça, moi, les angles de caméra fixes. J'espère, même s'ils en rajoutent pas sur Resident Evil 2 au début, j'espère quand même qu'il y aura un genre de DLC ou une connerie comme ça qui permettra de foutre des angles de caméra fixes, parce que je pense que ça peut permettre vraiment, vraiment des trucs de fou, quoi. Alors, il y a une clé là que j'avais vue. Le problème, c'est que quand tu prends la clé, lui, là, il glisse sur les rails, ici. Brrr, tac, il se fout derrière toi. Les deux murs, là, tac, tac, ils viennent vers toi. Et ensuite, il y a lui, là, qui est en bas. Enfin, celui-là, là, c'est le connard avec les pics, qui te perce ta race. Donc, je sais pas comment prendre cette clé pour l'instant. Alors, attends, Cornlist qui dit « C'est un mec qui rentre dans une pharmacie et qui demande du Viagra. La pharmacienne lui file une pilule, mais lui précise que c'est de la casser en deux. Il demande « Ma femme ?» Elle répond « La pastille ?» Ah. Ah ouais, d'accord. Okay. je croyais qu'il y avait une chute. En fait, la chute était avant. Mais elle est bien. Elle est bien, Cornlist. Non, les gars, doucement, les gars. On se calme, soyez gentils, ok? Il a fait une blague, il s'est intégré, c'est bon, il est là. Salut, Cornlist. La pastille. Je sais pas, ça me fait rire en plus d'imaginer la pharmacienne qui dit la pastille comme un vieux Marseillais. Donc bref, pour l'instant, je vais pas prendre cette clé là parce que j'ai pas envie de mourir. Et je l'ai prise cette clé, hein, pour voir ce que ça faisait du coup. Et tu meurs. Je me suis dit, ouais, la clé, c'est un genre de test. Tu prends la clé et le robot, il s'arrête. Et en fait, non. En fait, non. Là. Voilà, enculé, quoi. Merci, Madness, pour Cornlicht. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. J'ai vu un truc passer, non? Bah oui, mais oh, mais c'est pas comme ça qu'on... Oh là! Bonsoir! Monsieur! Ta grosse race! Putain, la vache, mais il s'est pris 3 balles dans la tête, cet enculé, là! Il t'en faut combien? Allez, Jean-Pierre Coff! T'es mort? Il y a du sang ou pas? Ah, l'enculé! J'aime pas ce jeu à la con! J'aime pas, il est toujours pas mort! Je me casse, je jouerai plus jamais à ce jeu-là. Ce sera un one-off. Ça va être bien avec les Crimson Head. Attends, je vais faire un petit. Bouge pas. Attends, hop, tac, on va faire ça. Attends, ah! Voilà, on va prendre celle-là parce que du coup ça m'a un peu blessé. Après 3 mobs Russiennes, il a fini comme Spider sur RED. Mais je me casse. Quand je vois sur Resident Evil avec les caméras parfaites, je me dis que le 2 va me décevoir. Mais si le 2 te déçoit, t'inquiète pas, relance Resident Evil 2 classique. T'auras les angles de caméra à l'ancienne, y a pas de problème. Faut se dire que le remake, c'est vraiment une réinterprétation du Resident Evil 2, mais Resident Evil classique, ils te le laisseront, t'inquiète pas. Hein. Tu pourras toujours le lancer sur ta PS1, avoir les bons gros polygones, low res, low poly. Et ça va être bien, t'inquiète. C'est ce que je me dis. Mais en voyant Resident Evil 2 remake, je pense que j'aurais énormément de mal à pas être complètement obnubilé par le jeu, quoi. Vraiment. Et c'est ce qu'on disait avec Spider, c'est que là, de jouer à Resident Evil 1 et 2, j'ai même touché un petit peu à 3, etc. C'est vrai que ça calme un petit peu la nécessité de voir le 2. Genre, ça permet de passer un petit peu l'envie, quoi. Mais ils sont beaucoup trop balèzes, ces zombies à la con, quoi. Vous avez vu le petit boob jiggle là? Tombe ta grosse race de ta mère, la grosse pute. Tu prends trop de balles. You've lived long enough, motherfucker. Voilà, casse-toi, nique ta race. Est-ce que c'est ouvert ça? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Putain, il s'est relevé. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Ok, donc un petit peu, voilà, comme dans le... comment on appelle ça? Le commissariat. Il y a des clés, clés trèfle, cœur, carreau, etc. Là, c'est clé armure, épée, casque, je crois. Des conneries comme ça. Armure, bouclier, épée, je crois. Et casque, il me semble. Je sais plus. Tu sens toujours hardcore gamer? Ouais, plutôt, j'ai combien de munitions? Non, je me sens pas du tout hardcore gamer, là. Tu te rends compte quand même le nombre de munitions que j'ai gâchées et j'ai pas tué un seul zombie, hein. Quand même. Ah, c'est le choix du début de jeu qui fait ça, là? Qui augmente le nombre de hits pour les zombies? C'est bon, je pense qu'il est presque mort. Ah, je m'en fous, je suis hardcore gamer, moi, j'ai peur de rien, moi. T'as cru ou quoi, là? Moi, je vais passer, regarde, tac. Oui, mais oui, je suis con, putain, c'est le choix du début. J'aurais dû mettre en normal, pourquoi je... On verra, si vraiment c'est la galère, je ferai un speedrun, on refoutera en normal, mais bon, ouais, c'est quand même con, quoi. Tu t'es fait schlasse au mollet comme un débutant. Mais oui, mais je savais pas, moi je pensais que c'était une question comme ça. On me dit, t'aimes bien les jeux vidéo? Je fais, ouais, et bah tiens, prends un coup de poing à ta gueule. Mais moi, mais j'aimais juste les jeux vidéo. Ouais, non, mais écoute, c'est pas sympa ce qu'ils font. On va dire que c'est parce que tu es malade. Oui, voilà, merci Madness. Voilà. Il va finir au couteau dans moins de 10 minutes. J'ai essayé de buter un zombie au couteau, une fois. Et bah, je réessayerai pas. En tout cas, pas en stream. Voilà. Ah, attends, excusez-moi, monsieur. Voilà, je passe. Là, là, là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi passer par là. Hop. Voilà. Tac. Non. Eh non, je me suis gouré. C'est pas là qu'il faut aller. Et merde. Arrête. Gilles, c'est la merde. J'aurais pas dû passer par là. C'est la de merde de ouf. Hop. Excuse-moi. Ok, je me souviens plus. Je crois que c'est au premier étage qu'il faut passer. Oui, je me souviens où il faut aller chercher la pointe de la flèche. Là. Les zombies au couteau, c'est pas R4 où tu pouvais les spam. Ah oui, là on a pour le coup carrément. Hein. Vous voulez voir le couteau? Attends, regarde. Regarde la gueule du couteau. C'est pas avec ça que t'arriveras à niquer un zombie, vraiment. Allez, on va retourner du coup en haut. Parce qu'il faut récupérer, je crois,
une flèche sur un truc. Est-ce que vous voulez que je change de difficulté maintenant ou que je continue à me galérer? C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je m'en fous. Si c'est pour vous montrer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour savoir si vous voulez vraiment voir longtemps le jeu et que vous voulez voir une comment on appelle ça? Merde. Une progression. Ou alors si vous voulez me voir vraiment m'empêtrer dans les ronces du jeu vidéo. Ça dépend si t'as une petite bite ou pas. Faut en normal avec les commandes modernes. Oh là là. Non. Non, si je mets en normal, je garde les commandes originales. J'aime beaucoup trop le temps de contrôle, vraiment. Je trouve que ça... dit-il en se prenant une table. Je trouve que ça rajoute vraiment au sentiment de lourdeur du personnage. Et je trouve que ça dénature vraiment le jeu d'enlever ça. C'est un petit peu comme les gens qui avaient gueulé sur le letterboxing de The Evil Within. Je peux comprendre pourquoi ils ont gueulé, mais je trouve que ça rajoute vraiment, vraiment énormément aussi au jeu, quoi. Hop, on prend ça. Flèche dorée, ouais, voilà. On prend ça. S'il te plaît, Gilles, je t'en supplie. Je t'en supplie, retourne-toi vite. Ah ! C'est bon. J'ai crié, je suis désolé. Ah, voilà, ah. C'est bon, c'est les zombies. Putain. Oh putain de sa mère. Tu veux examiner les... Je sais Adwim, je sais. T'inquiète pas. Je sais comment ça se passe. Faut éviter les spoils dans la mesure du possible. Au niveau scénario, je pense pas, parce qu'on connaît tous plus ou moins le scénario. Après, au niveau du spoil, par exemple, des boss, etc., c'est pas vraiment nécessaire. J'avoue, Russian et Julie, la flèche, si tu l'examinais. Je sais! Ah là là, ok, je le connais pas le jeu, mais ça je sais qu'il faut examiner les choses. Et vu qu'on est on est passé par un trou en forme de flèche, de tête de flèche, j'imagine peut-être qu'il va falloir prendre la tête de la flèche pour la mettre dans le mur, par exemple. Je sais pas, après j'y connais rien. Hein. Par contre, est-ce que je peux remettre cet emblème là, parce qu'en fait il me prend de la place. Voilà, remets-le là parce que ça m'énerve. Tu vas être déçu quand les zombies que tu vas étaler partout vont se relever. Bah surtout que je me suis mis en hardcore, donc je crois que les Crimson Heads vont apparaître plus souvent, non? Y'a pas un genre de pourcentage de chance que ça arrive? Ça va être génial. Ça va être génial. J'adore les jeux vidéo. Alors, tac, on va examiner. Donc du coup, voilà, on peut regarder ça. Ouah, c'est super beau. Et ensuite, on fait... Oh, on peut retirer la pointe de la flèche. Art9, t'as une pointe de la flèche. Voilà. Et on y va. Ouais, je sens que ça va être la souffrance, mais je me suis vraiment fait poucave la première fois que j'ai joué au jeu, hein, vraiment. Parce qu'en plus, moi, j'ai joué en hardcore parce que je me suis dit, hey, grosse bite, ah bah grosse bite. Mais en fait, non. En fait, je suis, loupé, t'es vraiment une merde. Ah, il fait peur, lui. Tac, on fout ça là. Franchement, moi, je veux bien rigoler, mais là, t'es en stade attention et t'as une herbe dans ton inventaire. Oui, mais attends, t'inquiète pas. Je suis en attention, mais je suis pas encore en trop grave. Et j'attends d'utiliser mon herbe quand je serai vraiment vénère blessé, que Jill commencera à boiter. J'ai pas envie de gâcher mon herbe maintenant, surtout que là, c'est deux herbes d'un coup. Donc là, faut ramasser des masques, je pense, pour plus tard. Il y a un masque qui voit pas, un masque qui pense pas, un masque qui sniffe pas, ou je sais pas quoi, là. Voilà, avec des trous à la place des yeux. L'autre, il a un trou à la place du cul. Je sais pas, mes couilles sur ton lit, ça fait un masque. Je sais même plus, il fallait récupérer un truc ici ou quoi? Je sais même pas. Ah si, le livre est placé dans la cavité de l'hôtel de Pierre. Pierre? Présent. Grimoire. Et là du coup c'est pareil, je crois que le premier Resident Evil c'est vraiment, c'est limite Siberia en fait. Tu examines des trucs, voilà, le livre faut le voir. Ah dis donc, il y a une clé derrière. Mais quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? Voilà, on a récupéré la clé du manoir, maintenant on peut ouvrir le grimoire et le lire. Grimoire, les quatre masques. Un masque qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Ah mais ça fait chier, s'ils peuvent pas le voir, franchement c'est gâché quoi. Donc en plus là on a une clé du manoir mais on sait même pas ce que c'est. On peut même pas l'utiliser tant qu'on sait pas ce que c'est. Il faut faire... Voilà, et là on sait que c'est la clé à l'épée. Clé de l'épée, voilà. Et du coup, là, maintenant, on peut se balader. Alors voilà, je voulais juste vous montrer vite fait au niveau... non, pas affichage, je suis con... Commande. Commande moderne, voilà. Et si... Merde, j'ai pas... Ah ah ah. Attends. Voilà, si on fait les commandes modernes... Tac.
Allez. Voilà. Donc ça, c'est bien les temps de contrôle, hein. Vous voyez, je peux courir, voilà, en diagonale, mais en gros, il faut que je me tourne à chaque fois. Et bien, avec les commandes modernes, voilà ce que je peux faire. Alors, vous pensez bien que dans un jeu où les zombies sont un petit peu lents et un peu galères et qu'ils ont du mal à se tourner et tout, pouvoir se déplacer de cette manière, c'est un petit peu niquer complètement le système. Et je trouve que, même si c'est galère, je trouve que les commandes originales sont bien plus intéressantes. Pour le jeu, ça permet de... Ça respecte, en fait, le game design. Même si c'est pompeux de dire ça, je suis d'accord, hein, mais faut respecter le game design. Les flammes dansent furieusement. Voilà, ça, c'est le son de Magic System, que veux-tu? Le premier Gaou, il n'est pas Gaou, hein, c'est tout... C'est... On a remarqué, hein, c'est tout le temps le deuxième Gaou qui est Nyatao, et ça, je le dis tout le temps, mais personne m'écoute. Excusez-moi, je passe. Ah, je me suis fait attraper. Ah, ça pique, là, par contre. Monsieur, monsieur, je ne suis pas intéressé par vos... Et si, là, c'est bon, c'est en normal. Gamer, c'est en normal, c'est casual, c'est en facile. Non, oui, c'est ça. Je me suis pas gouré, j'ai bien mis en normal, j'ai mis en deuxième, là. Ou c'est Funeral qui raconte de la merde. Enfin, c'est certainement Funeral qui raconte de la merde, on est d'accord, hein, mais... Facile, c'est Jill, de toute façon. C'est qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ce sexisme, là? Nicolas, j'aime le challenge Amenhotep. Non, en vrai, je savais pas. Au début, quand j'ai lancé en mode hardcore, je pensais pas que c'était vraiment au niveau de la vie des ennemis et tout. Vraiment, je pensais que c'était... Je sais même pas ce que je pensais que c'était. J'étais occupé à éternuer sur tes grands morts. Mais t'es un enculé, toi, je te pose une question, tu m'envoies me faire foutre. Hop, excuse-moi. Hop, on passe par là. Hop, premier Gaou, il est pas Gaou. Voilà. C'est deuxième gars, Wookie, Nyatao, Barry, attention. Baril. Je suis bien d'accord, vous avez bien regardé, je me suis foutu en normal, ouais. J'ai pas merdé. Au revoir. J'ai l'impression que j'ai fait une connerie maintenant à cause de Funeral, là. Mangalama. Donc l'herbe, quand t'es en mode attention, tu fais gaffe. Mais non, ça va, je suis en normal. T'inquiète, Spider, c'est bon, là. Là, je gère. Franchement, là, tel que tu me vois, je gère. Tac, faut passer par là. Je crois qu'on peut directement redescendre et que Barry va faire... Ah, ben, il est pas là, il comprend pas qu'il est pas là. Voilà. Tac, voilà. Vous voyez l'avancement que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment... C'est minime, quoi. J'ai rien foutu depuis tout à l'heure. Je me suis juste paumé, hein. Défonce un zombie, on verra bien. Bah du coup là, ça prendra, je pense, moins de 50 balles. Peut-être qu'il faudrait que je save plus souvent aussi. Oh, j'ai quand même pas save maintenant, franchement, attends. Eh, le ruban encreur, c'est pas toi qui les paye, hein. Oh. T'inquiète, je gère. Arrêtez de mettre des guillemets, ok? J'aime pas votre attitude, hein. Attention, moi, je vais vous faire ravaler votre caquet, hein. De quoi? Voilà, filme-moi la cassette. Et tu vois, Adum, c'est pour ça que j'étais paumé dans RE2 à devoir appuyer sur A pour monter les escaliers. Dans le remake, c'est automatique. Oui, c'est vrai que ça peut jouer aussi, mais bon. Il a dit la même chose pour les herbes qu'il voulait pas prendre. Mais je gérais les herbes. C'est pas de ma faute s'il y a un zombie qu'il a cru, bon de manger la carotide. Parce que les herbes, bah, je les avais, hein. Y a pas de problème. Mais bon, écoute, tout le monde peut pas avoir un game design parfait comme Kojima qui utilise tes rations à chaque fois que t'es au bord de la mort, hein, écoute. Enfin, je crois que c'est que en normal qui fait ça, genre en European Extreme, je crois que tu vas te niquer ta race. J'ai d'ailleurs fini MGS3 en extrême européen, qui n'est pas le nom d'un porno d'ailleurs.
Et les gens se disent waouh, mais Russian, mais tu, franchement, tu vois, la discrétion, c'est vraiment pas ton truc, hein. Je dis oui. Mais j'ai terminé MGS3 en European Extreme quand même. Sauf que t'as oublié qu'en hard, leurs dégâts sont découplés. Mais je savais même pas que j'étais en hard. Les gens, c'est bon, ok, alors c'est pas la peine de me. Bon, vous me fustigez là, les gars, hein. Je trouve que vous me fustigez beaucoup depuis tout à l'heure. MGS3 en Extreme Hero, tout le monde. Tout le jeu te dit nique ta grande race. Ah ouais, non, là, tu manges tes grands morts, hein, mais. Et c'était marrant, c'était une bonne expérience, je trouve. Je vais aller récupérer quand même la carte du manoir en passant par là. Mais attends, ça retire même des zombies? Ah ouais, y a même des zombies en moi quand t'es en normal? Eh non, c'est chiqué ça. Est-ce que tu penses que... Putain, le couloir, il est pas épais là. Ah, vite, excusez-moi monsieur, je passe. Espèce d'enculé. Je passe, excusez-moi, voilà. Je fais attention ou pas là? Non, je suis en normal. Haha, t'es bien niqué Spider. J'ai une revanche à souvenir. C'est nickel un stream pour devoir te faire victimiser. Oh, t'inquiète, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Franchement, tu crois que c'est le moment de te vanter de terminer un truc en difficile alors que tu viens de te faire kill en 30 minutes de R1? Eh, tu veux qu'on reparle des safe states, Spider, trou du cul, hein? Oh, déjà, lui, appuyer sur F5 au lieu de F1, c'est en mode hard. Oh bah merde! Je me suis gouré dans mes cheats. C'est pas grave, Spider, c'est pas grave. C'était le clavier! Oh, Spider! Spider! Adorable. Je vais save dès maintenant, là, histoire d'être sûr que je fais pas de conneries. Non, tu sais quoi? Je vais aller prendre la carte et le poignard et on va save après. Comme ça, on sera tranquille. Enfin, on sera tranquille, non! On sera toujours en train de jouer à Resident Evil! Mais je veux dire, voilà. En vrai, je savais pas ce que ça apportait le mode hardcore de Resident Evil 0. Je pensais que c'était, ouais, en fait, je pensais que c'était comme MGS quand ils te demandent c'est quoi ton jeu favori, etc. Tu vois, et je pensais pas que ça allait vraiment autant affecter genre le nombre de zombies, le nombre de balles, de coups que tu prends et tout. Vraiment, j'étais pas au courant. Je pensais que c'était même le mode normal, tu vois, parce que dans Resident Evil 2, il y a que normal et facile, il y a pas de mode difficile. Du coup, je pensais, moi, que c'était le mode normal, mais non, je me suis fait niquer. Pourquoi t'as promis Gaoul dans ta tête? J'ai aucune idée. Vraiment. Vraiment, je sais pas, mec. Tu m'en veux? C'est la première fois que ça m'arrive, Momo. C'est arrivé avec personne d'autre, je te promets. Je sais pas, c'est tout à l'heure, quand j'étais dans l'escalier, là, j'avais des envies de ma fée et de poulet brisé, donc voilà. Ça arrive, hein, même au meilleur. Hein. Voilà, les objets de défense, tadadi, gadada, voilà. Alors voyons voir du coup au niveau de nombre de tirs ce que ça change. Est-ce que 5 balles seront suffisantes désormais pour venir à bout d'un zombie? 1, 2, 1, 2, 3. Non, avance, voilà. Déjà 5 balles peuvent mettre à terre un zombie. Et donc ça le tue pas, mais je pense que 2 balles en plus, ça le tue. Donc déjà c'est plus facile, déjà c'est plus simple. Moi je m'en fous, j'aime bien le premier Gaou, ça me rappelle mon enfance. Ah, toi aussi t'as vécu en humidité. C'est dans Astérix, à un moment il y a un mec qui dit il faut jamais parler sèchement à un humide. Ah, petite blague. Vas-y, on va save. Comme ça, on sera tranquille. Remake breton, le premier Braou. Le premier Braou n'est pas Kenavo, comme on dit. C'est le deuxième Braou qui est Yarmat. Allez. Donc 5 balles pour mettre à terre un zombie. Et je crois que c'est un petit peu aussi un pourcentage de chance. Donc il y a des fois où tu vas les buter, il y a des fois où tu vas pas les buter. Il y a un truc d'ailleurs que j'ai qu'ils ont rajouté sur le Resident Evil 2 Remake là, c'est que tous les headshots ne se valent pas. Et je trouve que c'est génialissime. Qu'en gros, si tu tires dans la mâchoire d'un zombie, tu pourras lui tirer 6, 7, 8 fois dessus. Mais si tu lui tires vraiment sur le cerveau, sur l'arrière du crâne, ça va le buter beaucoup plus rapidement. Je trouve que c'est super comme truc. C'est pas juste tu vises la tête, t'es bon quoi. Il faut vraiment... c'est chirurgical quoi. J'adore le principe. Et donc tu vois, il n'y a pas de zombie là, putain. Mais ouais, mais c'est carrément mieux en normal. c'est mieux quand même. Hein. La porte est verrouillée depuis l'autre côté.
Une pierre tombale décrépite. Elle ne porte ni nom ni inscription. Ah, ça porte malheur, ça. C'est comme croiser un chat noir sous une échelle dans un miroir qui casse ou je sais pas quoi, là. J'ai rien compris. Ah, mais y'a même pas... Y'a pas un seul zombie. Y'en avait deux à la base, là. Y'en a pas un seul, là. Mais pourquoi, pourquoi j'ai joué en difficile, moi, à la base? Comment ça... Quelle est les implications? C'est génial, quoi. C'est carrément mieux, comme ça. Alors. Tac, on utilise. Voilà, là, tu vois, je stresse moins, je suis moins nerveux. Alors partez pas, hein, je vais quand même me galérer, vous inquiétez pas, mais bon. Il y en a combien parmi vous, là, qu'on réussit à faire qu'on fait Resident Evil 1? Parce que j'avoue, moi, c'est une des premières fois que je le fais, et j'ai même pas vu le jeu, hein, je sais même pas à quoi ça ressemble, je sais même pas ce qu'on va croiser comme boss, nanana. Donc, moi, d'accord, ok. Donc, quelques-uns quand même, quoi. Yes. RE1 qui m'a donné des PTSD. Nice. Génial. Ça, c'est le bon coup, ça. Ouais, les quatre masques, il y en a un qui peut pas sentir les proutes et tout, là. C'est super. Du coup, j'ai mis Promis Gaou dans la liste de la playlist de l'IRL. Nice. Mon gars, ça va bouger du boule. J'ai commencé par le 2. Et moi aussi, j'ai commencé par le 2. Quand j'étais môme. Et ça a été... je pense que ça m'a causé quelques traumatismes. Notamment le liqueur. Notamment les bras qui passent à travers les fenêtres, là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, c'est à peu près tout. Le reste, ça allait, mais au début, quand t'es pas trop encore dans l'action de Resident Evil 2, t'as pas le fusil de chasse, enfin, tu peux avoir le fusil de chasse quand t'es en face du liqueur. Mais quand t'es encore un petit peu en train de... Tu vois, tu testes le terrain, t'as un pied dans la douche, quoi, tu vois ce que je veux dire? Le jeu est quand même assez terrifiant. Où est-ce que je voulais aller de base? Moi, je vais aller là, on verra bien. L'emblème d'un casque. Ah oui, non, mais c'est un casque. Non, c'est un casque, on a dit. Voilà. Là, le premier gaou, il est vraiment pas gaou, quoi. Le premier zombie, je suis mort de l'intérieur et les petits moments des chiens a fini de me détruire. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des kleps. Et bah, c'est les kleps qui m'ont buté, moi, dans la partie que j'ai faite de Resident Evil 1. Ils m'ont niqué ma race. Et c'était la merde. Ah, attendez, les gars, je reviens, ne bougez pas. Gomen, nous désolé, Poons avait oublié ses clés de chez elle, donc c'est pour ça qu'il y a eu un appel. C'est bon, je suis là, vous inquiétez pas, je suis reviendu. Et ça, par exemple, tu vois, eh ben, je pourrais le virer de la VOD. Ah. Ok. Je sais, est-ce que je... Oh putain, j'ai pas bien, j'ai ma mien là, je vous admets, j'ai ma mien, je vais pas rester là trop longtemps, voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer notre race, voilà. Donc oui, ça je pourrais le virer de la VOD maintenant que j'enregistre le gameplay en même temps, et ça c'est bien. C'est bon, vous m'entendez bien? La gueule décrépite qu'elle a, la pauvre, mais dors un peu Jill, qu'est-ce qui t'arrive? Ma pauvre.
Mon poteau, tu me tiens chaud? Je suis où là? Il y a une pièce juste à côté, on va rentrer là. Let's go. Alors. Une petite salle de bain. Oula. Putain, il y a du courant dans leur baignoire. T'as vu ça, mon gars? C'est une rivière, leur baignoire. Ok, là, il y a des chiottes. Impeccable. Allez, vas-y. Allez, vas-y, balance-le-moi dans la gueule, ton script. Vas-y, j'attends. Le son, il est bon, d'ailleurs, ou quoi, le niveau du son, là? Vous entendez bien? Ah! C'est effrayant. Un zombie mouillé. Ah, il vomit, en plus. Eh, lâche-moi. Mais d'ailleurs, d'où ils viennent, tous ces mecs-là? Tous ces zombies, d'où ils viennent dans le... Pourquoi ils sont tous dans le manoir Spencer? Ah, c'est un truc que je comprends pas, genre, lui, pourquoi il y a un mec en costard dans la baignoire, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Il est con de prendre un bain habillé. Ben oui, je comprends pas. Pourquoi il prenait un bain habillé? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a poussé à prendre un bain dans le manoir Spencer? Je comprends pas. Ça, c'est des choses qui seront à jamais incomprises. Excusez-moi. Ça fait chier de pas avoir de safe state quand même. Je vanne Spider, mais de pas avoir de safe state là sur Resident Evil 1, j'avoue que ça fait chier. Tu vois, regarde, c'est cet angle-là, là. Regarde, cet angle-là, là. Est-ce qu'il est pas, mais parfait, quoi. C'est dingue, quoi. C'est stressant, t'as l'impression d'être observé, c'est... Je trouve ça vraiment, c'est... Le mec en costard, c'est un con noyé par 47. Oh, putain, mec, une map du manoir Spencer pendant une réception dans Hitman 2. Colore-moi impressionné, quoi. C'est pas à cause de l'accident de train qui arrivait pas loin du manoir et qui sont venus ici. Ah, peut-être. Après, oui, c'est vrai que le lore, je connais pas bien. Je crois que le manoir était habité un minimum par des sbires de Umbrella avec les événements du zéro. D'accord. Du coca zéro, donc. Habile. Ruban encreur, ça, c'est bon, je prends... Encore un poignard, c'est cool, on a 3 poignards, donc on peut résister à 3, comment on dit, 3 prises, en fait, 3 emprises. Mais du coup, elle est où, la caisse? Parce que vous avez dit qu'il y avait un coffre tout à l'heure pour ranger des équipements, mais je me demande où elle est. Donc voilà, on a récupéré le fusil de chasse, et là. En plus, il est très joli, c'est un très joli fusil de chasse. Il est bizarre, la moitié arrière, on dirait une Winchester, et la moitié avant, on dirait un Mossberg, mais il est très joli. Ouais. Tire des cartouches de calibre 12. L'arc couvert par le tir de cette arme est large. Merci. Mon beau fusil. Il y en a une dans chaque save room. D'accord, ok, donc c'est plus tard, quoi. Ok. Let's go. Tu vas l'avoir dans les zones safe avec des machines à écrire. Très bien, ok. Mais bah écoute, je garde mon calme. Oh! Nani? Oh non, des pièges à la Salazar! Quel Salazar! Salazar! On a essayé la porte. Ah, mais là, c'est fermé, putain! On a essayé la porte. Oh putain, c'est fermé aussi! Qu'est-ce que j'ai encore fait? La pauvre, elle est habituée à foutre la merde. Barry! Help! Jill! Aïe, la mère! Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! C'est quand même une victime, la pauvre Jill, là-dedans. Oh là 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 là, heureusement que Barry est là, ça fait deux fois, quoi. C'est ça, alors attends, il y a Core Unleash qui dit quelque chose, j'aimerais que ce soit dit, que c'est une citation de lui, hein, qui dit « C'est ça aussi de la laisser évoluer en dehors de sa cuisine ». Voilà. Voilà où on en est, 2019. Bravo. Bravo, Core Unleash, j'espère que t'es fier. Tu me dégoûtes. Haha. Thanks. Almost fed into a sandwich. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you Qu'est-ce qu'il cache, Barry? I just had something I wanted to check. Oh là là. We should get back to Vous trouvez pas que Barry ressemble à John Malkovich? Un peu plus jeune. Ses yeux ressemblent à John Malkovich. I owe you one. Enfin, ceux de John Malkovich. Je sais, il y a un truc. Je trouve qu'il y a un truc. Alors, t'es presque devenu une garniture de sandwich et putain, j'ai la dalle. Wink, wink, nudge, nudge. Ça te dirait pas que je te remplisse de mayonnaise?
T'imagines Barry, c'est un gros dégueulasse. Ah, on peut rentrer là, très bien. Et je crois que c'est là que je suis mort. Si je me go... Ah non, c'est peut-être plus loin. Voilà, c'est quoi ce coup? Ah. Oh, je t'ai vu. Je t'ai vu, zombie. Je passe devant toi. Oh, j'ai eu du bol. Ok, il y a une petite herbe ici, je retiens. Il y a un autre zombie en haut. Oui. Ici. Très bien, je note. Pour l'instant, je fais du profiling. Je fais un peu mon Stéphane Plaza. Je fais un peu mon Stéphane Plaza pour être sûr que, voilà, savoir où sont les pièces, savoir où sont les zombies. Je trouve que c'est important quand même. Ça te dit que je te batte les œufs. Je vais te mettre ma frite. On va t'appeler l'américain. Ouh, il y a du bon stuff là, dis donc. Herbe rouge, herbe verte, dis donc, on est vernis là. Ah, ok, donc je suis plein quoi. Je suis complètement plein. Y'aurait pas une save room? Non, putain, on voit que dalle. Y'aurait pas une save room dans le coin par hasard? Une cheminée sans feu. Très bien. C'est comme une cheminée sans feu, c'est comme une porte sans fenêtre. Oui, elle est pleine. Bon appétit, Momo. Mange bien. Et à ta faim, surtout. Ok, un manoir inachevé qui ressemble de loin au nôtre. Très cool. Très très cool. Ok, deuxième. On est toujours au second floor. Ok, donc ça c'est fermé aussi. Ça va être ça, je pense, pendant environ 2-3 heures. Voilà, on va essayer d'ouvrir des portes fermées. On va se faire manger par des zombies désagréables. En plus, ils ont vraiment, vraiment aucune politesse, quoi. Aucune manière. Ah, vache! C'est l'enculé, va. En plus, quand ils nous mangent par derrière, on peut même pas utiliser les poignards qu'on a. Et ça, c'est bâtard. Est-ce que tu penses que je peux le one-shot s'il arrive assez près et que je lui tire dessus comme ça, là? Blip! Absolument. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça c'est à... Il n'y a pas de poignée sur la porte. Ok, d'accord. Super. Vraiment la gonzesse quoi. Ah, il n'y a pas de poignée, comment on fait? D'agent. Eh, franchement, il était bien. Je lui ai fait un headshot, je l'ai niqué là. Elles sont où mes félicitations? Regardez le 2. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une planche? Qu'est-ce que je peux foutre avec une planche? Ah, c'est pas pour barricader les fenêtres? Oula. Où est-ce que je suis là? Oh là 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 là, okay. Où est-ce que je suis là? Ok, ça mène au... Ok, ça mène là. Très bien, je vais fouiller un peu vite fait ce qu'on a là. Ça fait... Tu vois, je suis déjà pleine. Si, tu vas pouvoir barricader les trucs. Ah, quand même, d'accord, ok. Ok. Mécanique d'ailleurs qu'ils ont... C'est une save room ça? Non, c'est pas une save room. Du coup, je suis en yinche d'une save room depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, ça y est, on va commencer à cramer des trucs comme dans RE2 aussi. On sent quand même qu'il y a énormément de similitudes de gameplay entre le 1 et le 2. Ils ont repris énormément de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sifflet à violeur? Je me rappelle pas des planches dans celui-là, d'accord, ok. Ouais, écoute, on verra plus tard, vous inquiétez pas les gars. Vous engueulez pas, excusez-moi, hein, je suis toujours malade depuis 15 minutes, là, ça a pas changé. Oui. D'accord, la poignée qui était ouverte était là. Très bien, je note. Eh ben écoute, ça c'était fermé, et ben on va en continuer par là-bas. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de sens d'orientation, il va falloir que je regarde le plan assez souvent. Tu les connais bien, les sifflets à violeurs. Ah, écoute, j'ai été en Belgique 2-3 fois quand même. Tu t'armes avant de partir, hein. Faut pas être irresponsable, hein. Fou quoi, toi? Je veux pas me laisser emberlificoter la frite sans bouger, non? L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Très bien, ok. Ça c'est cool. En fait, quelque part dans Resident Evil 1, c'est rassurant de voir des portes qui sont fermées. Tu te dis, ok, cool. Ah, voilà. Ah, bien. Encore un truc que j'aurais pas à visiter tout de suite. Ça c'est bien. Ok, impeccable. Une frite dans le pétou, ça fait assez peur. Bah oui, parce qu'en plus, ça fait churros, en fait. Si tu pousses de la purée à travers ton cul, ça fait un churro. Salut, Barry. Non, je parlais de nourriture. Other than I'm still alive in this madhouse, no. It's a madhouse! Oh, so they claim! Anthrax. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ciao. Ça, franchement, pas de problème. Ciao! Bisous, Barry! À plus tard! Mais les zombies, qui donc? De qui donc parles-tu? On t'a déjà poussé la purée?
Est-ce que c'est une Rome 2, est-ce que tu viens de faire une référence à Training Day? Un des films les plus sous-cotés de l'histoire du cinéma? Mec, dis-moi oui, Andy, quoi. La porte est verrouillée, très bien. Yes, Training Day, boum! Oh la vache! Je pensais que j'étais le seul à connaître Training Day. Est-ce que tu t'es déjà fait pousser la merde? Moi, j'adore qu'on me pousse la merde! J'adore ce film. Alors, ici, on peut faire un truc. Il est où le zombie, là? Il y a un zombie. Ah! Ça, c'est dégueulasse! Tabasse-le! Voilà, nique ta merde, salon. Culé. Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Bam, merde! Ah, le con! Je peux te dire ça? Il saigne? Ah, il saigne. Merde. Putain, j'ai paumé deux poignards sur un connard. Oh, le con. C'est pas grave, j'en ai plein. J'arrive pas, voilà. Training Day, il est tellement bien. J'ai beaucoup aimé aussi. Et je sais pas pourquoi les gens chient sur Training Day. Je trouve que c'est un super film. Je trouve que dedans, Denzel Washington joue très très bien le flic qui se la joue alors qu'il est que dalle. J'aime beaucoup Ethan Hawke qui joue le blanc bec de base comme d'habitude. J'ai paumé deux poignards sur un connard. Oui, c'est une chanson de Didier Barbelivien que les gens connaissent un peu moins, mais c'est dans son dernier album. Vous avez utilisé la clé du manoir. Par contre, elle est où la save room? Parce que, bon, depuis tout à l'heure, save room. C'est marrant, quand je dis save room, j'ai pensé à une nana que je connaissais au collège qui s'appelait Séverine et qui était une grosse pute. Donc, je viens d'ici et par tous les chemins, j'y reviendrai. Est-ce que c'est ouvert, ça? Crochet de serrurier. Oulala, je vais pas aimer, là. Denzel Washington, mon gars, dans ce film, il déboîte sa mère. J'ai trouvé aussi. Aussi, pardon. Assaut sur le Central 13 avec Hawke était pas mal. Oui, absolument. Avec Hawke et Laurence Fishburne aussi. Et ouais, c'était une tuerie, ce film. D'ailleurs, dans The Punisher, sans vouloir... Voilà, où est-ce que je suis, là? Je suis de... C'est quoi? C'est un balcon? C'est un... Ouais, c'est un balcon gigantesque, en fait. Dans The Punisher, là, il y a un épisode qui me rappelle énormément Assaut sur le Central 13. Et il est vraiment stylé. Vraiment super cool. Salut, Arsène! Training Day, c'est pas le film qu'on avait maté sur Discord où il y a le clip avec Denzel Washington qui fait « Ma nègre ». Oui, c'est ça, c'est ce film-là, ouais. J'ai connu une seule Séverine, c'était une connane venant des îles. Une vraie... Venant des îles? Qu'est-ce que c'est? Elle vient de l'île du crâne? C'est King Kong? Elle vient des îles. C'est du luau. Luau! Ne vous demandez pas si c'est du larron du cochon. Je vais aller save vite fait, là. J'en connais une à mon taf que je cherche à grimper. Carrément à grimper, quoi. Tu dates des années 70 ou quoi, Cornlish, là? Oh, je suis en train de chercher à me serrer de la petite pépé. Je cherche à grimper la petite Séverine. Vas-y, on va save là, on sera tranquille. Elle vient de Tortuga, ça explique le côté connasse. Je vais lui péter le Mont Blanc. Ah non! Ah non, pas de blague géologique, hein. Ça se fait pas, hein. Donc j'imagine que là, en fait, c'est la seule machine à écrire qui se trouve en dehors d'une save room et du coup sans caisse, en fait. Qu'est-ce que j'ai pas ouvert encore? À la file indienne, chère petite Ayen, veuillez faire épanaya moyenne. Régalez-vous, miam miam miam. Dans le cochon, on mange tout. Wouh. Alors, ouais, ça me fait rire, le roi lion. Bah écoute, a droit de rester gamin, hein. Qu'est-ce qu'on est sans ça? Putain, Pumba. Régalez-vous, miam miam miam. Dans le cochon, on mange tout. Wouh. Ah. Bon, bref. Où est-ce que je peux me barrer? À l'extérieur, là-bas. Je suis pas encore allé à l'extérieur. Et je crois qu'à l'extérieur, il y a des kleps. Et je me chie dessus d'avance. Eh oui, Sophie d'avance. C'est une présentatrice, je crois. Pas trop d'intérêt, d'ailleurs. C'est là qu'il y a une porte qui mène vers l'extérieur? Non, c'est pas là. C'est là, alors? Non, c'est... Putain, ça y est, je suis paumé. Et ça y est. Miam, miam, miam. Putain, Pumba. Je fais super bien, Pumba. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Tu peux le finir en intraille. En intraille, c'est-à-dire sans mourir. Sans mourir, c'est déjà un petit peu niqué parce que j'ai refait une partie. En intraille, si tu dis en un sitting, c'est Le Pen. Mais non, c'est Pumba. Eh, mais franchement, vous êtes possédés, les gars. Oh, il y a plein d'herbes ici, la vache.
Ok, il y a trois herbes vertes et trois herbes rouges. Mais c'est pas là que je voulais aller. Oui. Je pensais que c'était des bulles de gaz. Voyez-vous. Le penba. Hakuna bambou là. Sors donc de mon pays. Hakuna bambou là. J'arrête. Non, je referai pas. On fait pas ça. On lance pas ça. Non, on clip pas, on lance pas ça. Ok? Il y avait un sac chimique à récupérer là où il y avait les flammes. Oui, mais j'ai pas de place, du coup, mind control. Merci beaucoup de l'info. Parce que je savais pas. Mais j'ai pas de place dans mon inventaire pour l'instant, donc j'essaye d'aller voir, déjà, de trouver une safe room. J'ai clip, putain, vous êtes tellement des enculés, quoi. On va encore avoir des problèmes, les gars. Putain, ça a pas suffi. Moi, je me suis dit, ouais, je vais attendre le dernier moment, ça va être bien. Ça va culé, tiens. T'es mort? Ouais, oh, t'es mort, là. Régalez-vous, miam, miam, miam. Dans le cochon, on mange tout. Wouh. Remarque, c'est marrant, hein, de chanter une chanson pour un porc. Pour un porc. Ah, ben voilà. Putain, la save room. Avec un coffre. Putain, parfait. Oh la vache, y'a des trucs, eh. Oh, c'est cool. Bon, du coup, ruban encreur, je pense que je peux les laisser là-dedans, ça va être cool. Non, attends, ruban encreur, voilà, ici. Non, laissez là, voilà. Les munitions pour pistolet, je vais les prendre avec WAM. Ça je garde. Le couteau, je pense que je vais le laisser, parce que franchement, si t'en es réduit à utiliser le couteau, c'est que t'as plus rien d'autre à faire. Et je pense qu'on va rester comme ça. C'est plutôt cool, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Si, c'est quelque chose, ça? Ah non, c'est... Gourde. La pauvre. Ça sert à quoi, la gourde? Dis donc, il y a une espèce de compteur de munitions en plus à côté. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Putain, c'est dans ce jeu-là où tu peux cramer les cadavres? Oh, putain, j'essayais de me souvenir où c'était. Où, putain, où faut cramer les cadavres, parce que sinon, du coup, ils peuvent revenir. Oh, putain, merde. Ah, j'espérais que c'était pas là, quoi. Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. 1. Incinération. 2. Destruction des cadavres. C'est plus ou moins la même chose. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer et vous devrez vous le procurer par vous-même. Ok. Bon, les petits amis, je vais manger, je reviens après parce que c'est des bonnes barres ici. Ah bah toujours, la méga forge, premier sur les barres. De quoi tu parles, Russian, va niquer ta race. Ça souffle ça ou quoi? Des vieilles boîtes et des escabeaux ont été laissés à l'abandon. Ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit N-E-S-C-A-B-O. N'importe quoi. Donc ça, j'imagine que il reste encore plein de kérosène. Voilà, on peut remplir la grosse gourde. Oh là là, ça va vanner sur le fait que Jill Valentine est elle aussi une gourde. Ça, je le sens venir. C'est une femme Barbara Gourde. Ok, ça c'est bon. Mais attends, c'est quoi? Il y a un autre jeu, putain, où t'as des allumettes. Ah, mais c'est Evil Within. C'est dans The Evil Within 2. Non, dans le premier même, où t'as des allumettes et tu peux cramer les corps. C'est ça aussi, non? Je me gourre pas. Quoi? Ah, mais évidemment, j'ai pas de ruban encreur. Putain, mais connard. Oui, je vais laisser mes rubans encreur ici, comme ça je serai tranquille. Je suis vraiment un trou du cul, hein. Je suis un trou du cul de première catégorie, hein. Il est magique le clip, oh putain, merde. Hakuna bambou là, quoi. Putain. Je vais me faire chasser, hein. Je vais me faire chasser de ma famille, on va me révoquer, j'aurai plus le droit à rien. Ils vont me virer les allocs. C'est bon. Je vais devoir reconnaître que les 5 enfants que j'ai déclarés sont pas à moi, enfin merde. Bon, ça va aller où, quoi? Je la garde, la gourde, ou quoi? Pour l'instant, je vais la déposer quand même, pour l'instant. On va se balader plus qu'autre chose. Je pense que la gourde sera plus importante dans les moments plus tard. Pour l'instant, je vais la laisser. On verra ce que vous en dites. Au pire, on viendra les récupérer. Mais du coup, il y a bien une safe zone ici. C'est plutôt agréable à savoir. Machine à écrire coffre. Ok, c'est cool. Oui, garde Jill. Eh, hey, on arrête, on a dit. Donc toi, t'es bien mort. Ok. Mais bon. Ne te charge pas avec des munitions de pompe. Oui, c'est vrai, putain, oui, je devrais les laisser. Et recharger à chaque fois que je passe un coffre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai joué à RE2. Sans prendre les munitions de fusil à pompe que je gardais en joker. T'as raison, Mind Control, merci de m'en rappeler.
Tu as bien raison. Mec, le clip déchire. Arrêtez, je désire oublier ce clip. Ok? Je désire oublier ce clip de mon existence. Je viens de voir le clip, j'ai beaucoup trop rigolé. Vous faites chier tous. Vous faites chier, bande de nazis, là. Ah, ça vous fait rire, ça, le racisme, hein? Putain, et en plus, c'est moi, là. Je fais mon... regardez, je fais des blagues racistes. Putain, fait chier. Là, vas-y, on va commencer à faire des blagues sur le Jamel Comedy Club, là. Eh, vous avez remarqué, les Chinois, ils ont une petite bite. Vous avez remarqué, les Arabes, ils volent des trucs. J'aime pas le Jamel Comedy Club. J'aime pas le Jamel Comedy Club parce que... C'est exactement les mêmes blagues que les films de Christian Clavier. Tu sais, il y avait un générateur de films de Christian Clavier à un moment. Genre, c'est Christian Clavier qui vient d'une banlieue bourge à je sais plus où. Et du jour au lendemain, il se retrouve bloqué avec des Chinois ou je sais pas quoi, là. Et vous avez remarqué, Jamel, il a qu'une main. Il est à Lyon. Vous avez remarqué. Où est-ce que je peux aller désormais? Ici, c'est toujours fermé, ouais. J'ai oublié. Donc ça, il va falloir la clé armure. Je pense qu'il va falloir que je redescende et que j'explore plus l'autre côté, du coup. Vous avez remarqué, Le Pen, il a la voix de Pumba. Qu'est-ce que j'aime pas les films de Clavier récents? Eh, mais c'est ouf. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a un... excusez-moi, il y a un film là récemment où littéralement je crois il a un handicapé mental qui vient chez lui, il me semble, non? Et un autre avec un roumain je crois, où il doit accepter une famille de roumains. Mais mec, mais comment tu peux penser que c'est ok, quoi? Mais c'est dingue. À bras ouverts, c'est ça, à bras ouverts. Non mais mec, c'est un sketch. C'est vraiment un sketch. Oui, j'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait sur la gauche, c'est une pierre bleue. Pour l'instant je sais pas trop quoi en foutre, on va la laisser là pour pas trop se charger. Parce qu'il y a quand même moins de save room. Ah putain, je t'avais oublié, toi, sale enculé. Oh, et non. Ça va? J'ai pas fait mal quand même. On peut en discuter en. Ah. Le con, il m'a fait peur. C'est bon? On peut en discuter en adulte? Voilà, impeccable. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai rien pour le cra. Ah non, du coup, j'ai pas pris ma gourde en plus. Ok, c'est pas grave. Bon, quel clip, c'est une tuerie. On a arrêté, les gars, je vais pas commencer à regarder mes propres clips en stream, quoi. Je suis curieux maintenant de voir les conneries que j'ai faites. Parce qu'en plus, il y a une... Quand tu l'écoutes, genre en conso. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était ce truc là? Il y avait un cri là. Qu'est-ce que c'était ça? Il y avait quelque chose là. C'est... Il y avait un truc là. Oh putain, ça y est, c'est notre... C'est, ça y est. Oh putain, c'est quoi cette horreur? C'est quoi, c'est ça? C'est un Crimson Head? C'est ça le délire? Ah non, c'est des corbeaux. C'est les corbeaux qui font ça. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est con? Mais qu'est-ce que vous voyez pas que vous vous emmerdez là? Mais il est passé où? Il y avait un cadavre là. Pourquoi il est plus là? Ça me plaît qu'à moitié là. Pourquoi il y a des corbacs? Pourquoi les fenêtres sont ouvertes? J'ai plein de questions là. J'ai plein de questions qui resteront à jamais sans réponse. Je sens que le premier Crimson Head qu'on va voir, c'est celui qui était allongé devant nous là. Ils te disent jamais plus. Le bruit des bottes. D'ailleurs, il y avait qu'une seule herbe en mode hardcore ici dans ce couloir là. Il est revenu à la ville corbeau. Ah, oh, ils étaient chiants en plus, les corbeaux, dans RE2, là. Je sais même pas si t'as moyen de les buter, en fait. Voilà, impeccable, on garde ça. Si je veux garder le fusil à pompe avec moi, quand même. Ce sera plus simple. Ok, donc toi, déjà, on va pas aller là tout de suite. Ah, bah merde, je suis un zombie. Je suis mort comme un connard. Si les zombies, ils sont aussi bien, comment ça se fait qu'ils sont morts? Non, c'est pas là. C'est pas là, déjà, qu'il faut aller. C'est bien, il faut bien commencer à pousser vers là-bas, en fait. Désolé, je vais faire beaucoup d'allers-retours, hein, mais écoutez, ça c'est Resident Evil aussi, hein, tu te paumes, tu trouves, quelque part, c'est un voyage initiatique, hein. C'est un peu voyage en terre inconnue. Hein. Est-ce que tu penses que je peux lui mettre une petite cartouche dans la gueule? Je sais pas à quel moment, en fait, il faut que je tire pour pouvoir lui mettre une... Ah, c'est tôt quand même, hein. Vas-y, relève-toi, amuse-moi, donne-moi un prétexte. Relève-toi, maintenant. Et maintenant. Ah bah non, il est mort.
Peckham. Peckham! Qu'est-ce qu'il y avait au fond? Est-ce qu'il y avait un truc au moins au fond? Parce que je suis même pas sûr. Ou c'est un cul de sac? Ah non, c'est pas un cul de sac, hein. Il y a bien... Ouais, il y a bien des portes au fond, hein. Al fundo, comme on dit. La porte est verrouillée de l'autre côté, très bien. Vous avez déverrouillé la porte. Et ça mène dans le lobby, c'est ça? Dans le Chantal? Hakuna Matata. Putain, je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ah non, c'est pas le lobby, ça mène ici, d'accord. D'accord. Mais non, mais voilà, du coup, j'ai ruiné Hakuna Matata pour tout le monde, quoi. J'en ai fait une chanson de propagande raciste. Putain, c'est pas ça que je voulais, quoi. Chier. C'est de votre faute, essayez pas de faire en sorte de me faire culpabiliser pour rien. C'est de votre faute, tout ça, hein, si ça arrive. Hein. C'est pas moi le mari abusif là-dedans, c'est vous. Hein. Y avait un truc, je comprends pas, y a un coin que j'ai pas encore visité, je me souviens qu'il y avait des kleps. Où est-ce que c'est, ça? C'est un truc à l'extérieur, normalement. Laissez-moi regarder sur le plan. Ouais, normalement, il faut que je fasse le tour. Je fais tac, 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 skibili, pop, pop. Ouais, ok, je crois que c'est là-bas. Bah non, ça peut pas être là-bas. Si, je crois que c'est là-bas, ok. Ok, on va voir. Oublie pas les produits chimiques. Ouais, il faut que j'aille dehors, ok. Je vais aller dehors. Merde, mais c'est pas là. Et voilà. Et voilà. Ça c'est mon sens de l'orientation. Mais ouvre la porte, gourdasse, là. T'as vu qu'il y avait un code couleur sur la map? Bah oui, mais je comprends pas. Des fois, les portes rouges, je peux les ouvrir. Ah bah oui, en fait, les portes rouges, je peux les ouvrir. C'est ça? Non, les portes bleues, je peux les ouvrir. Qu'elles sont déjà ouvertes. Les portes rouges, je peux pas les ouvrir. Et les portes grises, je peux les ouvrir parce que j'ai la bonne clé. Ah, le rouge vert, oui, les trucs déjà... Oui, bien sûr, les trucs déjà explorés, ouais, ça je sais. Oui, les zones déjà explorées, ça je sais, ouais. Le rouge vert. Ça veut dire, quand il y a un truc rouge, ça veut dire qu'il y a encore des items, c'est ça? C'est ça que tu veux me faire dire? C'est ça que tu m'informes? Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il y a pas des chiens qui vont me sauter à la gueule, là? Ouais. D'accord. D'accord, ouais, ça va chier, là, non? Aïe, 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 non, c'est bon. Aïe, 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 non, c'est bon. Tu peux peut-être pousser la commode ici, arrête. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, oui. Oh, putain, oui. Oh putain, Adwim! Eh, c'est toujours rouge. L'autre aussi? Elle aussi, je peux la pousser là? Non, pas quand même pas pouvoir pousser toutes les commodes du jeu, quoi. Une autre peut-être? Attends, parce qu'il y a encore du rouge là. Ah d'accord, celle-là, je peux la pousser. Ah oui, on voit parce qu'elle est plus HD que l'autre. Non! Putain! Ok, je savais pas que ça concernait aussi les items. Ok, d'accord. Je vois. Merci beaucoup, Adwim. Tu es un sauveur, tu es Jésus-Christ. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Adwim me regarde par l'entrebâillement de la porte. Il se touche quand je dors. Adwim m'a volé mon linge sale. Je sais pas ce qu'il va faire avec. Et donc, qu'est-ce que c'est ce truc là? Substance chimique. Oh. Qu'est-ce que c'était que ces pattes à couèque? Y'a des chiens! Va-t'en, petit clébard! Mais enfin! Vas-y, je me casse, j'aime pas ça, les clébs! J'aime pas ça, les clébs! J'espère qu'ils me suivent pas en intérieur parce que. Bad dog! Il m'a fait mal ou quoi? Putain, il m'a niqué en plus! Attends, faut que je retourne dehors pour le défoncer. Je peux pas rester sur un échec comme ça, il va falloir que je me venge sur la vie. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé la CAF. Vas-y, viens. Viens, petit chien! J'ai pas peur de toi, de ce que tu représentes! Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade ou il bave? Tu viens? Waouh! Stop and break it down! Y'en a plusieurs! C'est bon?
Bah écoute, vous m'en voudrez pas si je fais une petite salade, hein. Non, attends, je vais pas prendre l'herbe, je vais en mixer du coup. Voilà, on va faire plutôt une petite salade composée parce que j'ai... Voilà, une petite infus. Une petite infus à la chamomille. Mais on dit la camomille. Mais on dit pas un queval. Player 2 est rentré en jeu, Player 2 est mort. Il a qu'à pas chercher la merde, l'autre pipou, là. Moi, j'aime bien les pipous, hein. Par définition, je suis fan de pipou. Mais là, franchement, nique ta race, pipou. Hein. Dark dog has invaded your world. Le matin, il est tôt. Il est là. Ok, d'accord. Donc, je commence à trouver que le code couleur sur les maps est très, très efficace, ouais. Putain, la vache, ces portes font tellement peur, quoi. Elles font tellement, tellement peur. Là, ok. Et je crois que je peux sortir... Ah ! Oh, putain de sa mère, la grosse pute de pute. Chier ta mère, tiens. Je t'encule, moi, hein, par définition. T'es mort ou t'as encore une petite blague? Parce que j'ai le sens de l'humour, moi, je peux te le dire. Et qui parle comme un petit vieux, t'sais. Tu sais quoi, on va en profiter de faire un petit crochet par là pour ranger ce qu'on a et reprendre des munitions de fusil de chasse. Quand je me lève, j'ouvre les yeux, j'ai trouvé la mythe. Je sais pas pourquoi je rigole, ça m'a fait rire. Je crois que je suis sous stress en fait, le jeu est bien bien plus stressant que RE2, hein. Vraiment plus stressant que RE2. Je sais pas ce qui fait que RE2 est moins impressionnant, mais il y a vraiment quelque chose dans celui-là que je trouve effrayant, quoi. T'as trouvé la mitre. J'ai trouvé la mitre. Le plus fidèle. Selon vous, je garde quoi avec moi, là? Ce sera quoi la prochaine phase? La planche, là, ou alors la substance chimique? Est-ce que je peux examiner la substance chimique pour voir ce qu'on peut en tirer? Examiner. Substance chimique. Ok, merci. Rien d'inhabituel. Ok. Un agent chimique qui détruit les plantes. Oh là là, encore... D'accord, c'est un désarmant. Ok. J'imagine qu'il va y avoir des... Je vais la garder avec moi, celle-là. J'ai l'impression que le puzzle va être dans pas longtemps. Mais je sens venir la connerie comme dans RE2, là, avec les hommes plantes, les hommes crabes, ou je sais pas quoi, là. Plantes versus zombies, ouais, voilà. C'est plus ou moins Resident Evil, en fait, ça. Plantes versus zombies. Garden Warfare. Ah là là, qu'est-ce que j'ai jamais été intéressé par ces jeux-là, putain. Je comprends que ça puisse être intéressant, hein. Enfin, ça puisse être marrant, mais c'est vraiment pas des... Ça s'adresse pas à moi, quoi. Il y a des jeux comme ça, tu sais d'avance que ça s'adresse pas à toi, tu vois. Par exemple, voilà, je vais un peu taper sur Guignol, mais... Fortnite, tu vois, par exemple. Je sais que ça s'adresse pas à moi, tu vois. Ça, c'est évident, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu récemment, mais il y a un article qui a été publié. Quoi? La poignée de porte va sans doute casser? Attends, c'est quoi ce délire? Comment ça? Bah dis donc! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah tant pis, on va la péter, mais Ouais, ouvrir. C'est quoi ce gameplay à la con? Tu peux ouvrir les portes qu'un nombre limité de fois? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ouais, c'est pas un article sur Fortnite, c'était plus un article sur... comment? Sur Netflix. Qui disait qu'en fait, Netflix, le concurrent direct, c'est pas HBO, c'est pas Amazon, c'est pas Hulu ou quoi. Et bah c'est plus Fortnite. Parce qu'ils disent qu'en fait, comment on appelle ça? La concurrence, c'est pas forcément uniquement sur les services de streaming, c'est sur le temps à l'écran, en fait. Le temps que passent les gens devant leur écran. Et ils ont remarqué qu'en fait, Fortnite, en ce moment, était en train de dévaliser tout le monde de leur temps d'écran, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Ah, ça c'est mon nom d'acteur porno, ça. C'est verrouillé. C'est verrouillé. On essaie une troisième fois? C'est verrouillé, ok. Bon, alors par contre, le truc des poignées qui pètent, là, je trouve pas ça forcément trop habile. J'irais même jusqu'à dire que ça casse les couilles, non? Ok, donc ça, c'est fini de fouiller pour l'instant. Bon, bah, on verra plus tard.
Le profanateur de la tombe de la sépulture de la profanateur. J'ai pas passé une seconde devant Fortnite et j'en suis fier. On avait joué, nous, à Fortnite avant, dans le mode à moitié zombie, à la con, là. C'était pas ouf, mais bon, c'était pas non plus horrible, quoi. Mais ouais, non, le mode à la con, là, je... Les poignées qui pètent, j'ai rigolé. Franchement, t'es sérieux, là? T'es sérieux? Les poignées qui pètent, t'as rigolé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des blagues avancées quand avec ça, tu rigoles, quoi? Bonjour, je suis à la rue, help me please. Oh bah merde. Voilà Poons du coup qui a oublié ses clés chez... je sais pas où d'ailleurs, c'était pas chez moi. Alors les gars, je sais pas trop par où passer là en fait. À part que je trouve un autre coin. Où est-ce que je suis pas allé encore? Où est-ce qu'il y avait des plantes? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir encore là? Qu'on n'a pas encore tout à fait ouvert. Parce que là, le matin, quand je me lève, ouais. J'ai poussé la statue. Il faut que je récupère déjà le diamant sur elle? C'est ça qu'il faut foutre dans le truc? Ok. Oh putain, et voilà. Je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais à ça, mais la putain de Taras. Ah là 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 là! Oh putain, heureusement que j'ai des réflexes millénaires. Oh la vache. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Couchez. Ok, c'est bon. J'ai crié coucher, hein, je suis un zombie. Tu sens que le mec il a abandonné, quoi. Le mec il a lâché les ballons, quoi. C'est si cher que ça un serrurier? Ah si, c'est cher de ouf. Et surtout que les serruriers, il est tard, et en plus c'est un vendredi, fait chier, et bah ils te surtaxent, ils en ont rien à foutre les gars. Ils s'en battent les steaks. Ok, prendre joyau bleu, très bien, voyons voir si on peut l'examiner. Joyau bleu, très bien. Cette pierre éclatante est magnifiquement polie, brille de tous ses feux. C'est super, dis-moi en plus. Et bah c'est tout, ok. C'est des connards les serruriers à n'importe quelle heure, ok. Et tu t'es fait toucher par un serrurier quand t'étais gamin ou quoi toi? Est-ce que c'est ça qu'il faut foutre au bout du couloir les gars là? Du couloir avec les cleps? Du coup je sais pas trop là, j'avoue je suis un petit peu confondu. Parce que je vois pas d'autres trucs en fait à foutre. Excusez-moi. Je vous rappelle, je suis malade. Comme un chien. Malade comme un chien. Alors, voyons voir. Putain, la vache. En plus, les portes, elles mettent du temps à charger, des fois. Et ouais, ça l'enculé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est con, en plus, ce Klebs. Sale nique ta race, va. Attends, je me soigne. Ouais, je suis en attention de ouf, là. Putain, mais il en prend des balles, en plus, ton culé, là. Putain, mais il est increvable ou quoi? Voilà, Arilon. Oh, putain, faut avoir des munitions de fusil de chasse. C'est insupportable de les niquer au pistolet. Ah, j'espère qu'ils vont pas arriver périodiquement par ces fenêtres-là, parce que sinon, ça va commencer à poser des problèmes. Un ami de mon père était serrurier, il disait que ouais, ses potes serruriers faisaient luer enculé. D'accord. C'est par là. Oui, c'est par là. Tu as plusieurs skins dans le jeu. Ouais, il y a deux skins. Tu démarres avec deux skins pour chaque personnage, Jill et Chris. Skin Resident Evil 5 et skin Resident Evil 1. Là, on a pris le skin de base, hein, parce qu'on est des gens très chiants, en fait. On déteste le fun, donc voilà. Pourquoi s'amuser? Pourquoi s'amuser quand on peut jouer à Resident Evil 1, quoi? Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut utiliser ici? Je pense sérieusement que non. Non, voilà. Inutile d'utiliser ceci maintenant, bah oui. Le profanateur du cercueil maudit. Je suis un peu paumé, les garçons, là. Adoui, malade.
Profanateur de circuit maudit. Tu l'avais fait sur PS1 à l'époque. Non, pas du tout. C'est mon premier contact avec Resident Evil 1. Même en tant que, même en côté genre visionnage et tout, j'ai pas vu de let's play, j'ai pas regardé de quoi que ce soit. Je ne sais vraiment rien du jeu, quoi. Putain, fait chier, j'aurais bien voulu visiter. Ah bah. Je peux y aller en fait. C'est que d'un côté que ça a pété. Attends, je comprends pas ce qu'ils m'ont dit avec la poignée qui allait péter là. Bon, c'est pas grave. Ça devait pas être important. Attends, je vais prendre l'herbe en bas là. Parce que du coup, l'autre chien il m'a mis à walper là. Putain, il m'a fait super mal le kleps là, ça m'a vénère. Ça y est, je suis vénère après les chiens là. Ça y est, je vais commencer à en bouffer là. Appelle-moi Jackie Chan. On va se faire un petit gueuleton. Alors. Ça s'est ouvert, mais que d'un côté. Ça s'est fermé. Ok, va y voir. On va se balader, écoute, hein, on a que ça de toute façon dans nos vies. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le matin, quand je me lève, il est là. Hein. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Ça me donne du baume au cœur de chanter ça, ok? Alors, m'en voulez pas. Hein. Je sens que vous m'en voudrez, là. Qu'est-ce que... Ah oui, il y a des trucs que j'ai pas pris, du coup, ici, là. Mais oui, putain, on dit pute borgne, là. Siffler pour chien. Alors ça, par contre, un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, le corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je vois pas qui d'autre pourrait s'approcher de ce maudit cerbère sans risquer d'y piser. Oh putain. Oh là 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 là. Ok. Putain, il y a un truc sur le kleps. Va falloir buter un kleps pour récupérer un truc. C'est ça? Oh là là. La partie s'est terminée sur un échec et mat en plus. Ça me ferait chier. Et putain, évidemment, j'ai toujours plus de place. Oh là là, mais je me galère avec la place là. Qu'est-ce que je peux foutre? Bah que dalle. Tout. Note. Va falloir que j'aille foutre des trucs encore au coffre. Ouais, va falloir que j'aille foutre des trucs au coffre. Bah écoute, je vais le faire maintenant pour récupérer le briquet. Et du coup, avec le briquet, on va pouvoir commencer à cramer des cadavres. That's cause Jesus Christ is my nigga. Ouh. Ok. Et bah c'est pas simple, hein. C'est pas facile, hein. Au début, quand Adwin me disait « Ouais, mais Resident Evil 2, il est beaucoup plus action que le 1. » Moi, déjà, je trouvais que Resident Evil 2 était beaucoup moins action que le 3. Je lui disais « Ah, il est vraiment con, cet Adwin, de dire des choses comme ça. C'est vraiment un... Ah là là, dis donc !» Et en fait, ouais. Ouais, en fait, c'est un puzzle game, Resident Evil 1. C'est pas un survival du tout. « Born in a manger. And he died for your sins. » Oh putain, j'ai pas hâte de voir les chiens zombies de Resident Evil 2 Remake, mec. Ça va pas être la fête, ça. Ça, en fait, y a quelques trucs qui me font vraiment peur dans Resident Evil Remake, le 2. Ça va être les yinches et les putains d'araignées. Ça va être bien, ça. Ah, les araignées, ça va être drôle. Les araignées gigantes. Déjà que sur PS1, elles sont effrayantes. Elles sont comme ça, là. Je le fais mal à la bouche, mais... C'est vraiment, vraiment... Attends. Quoi, attends? J'ai pas le temps d'attendre. Funéral. Il faut juste une dernière danse. Ok? C'est Kyo qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Tac. Il faut que j'aille récupérer le lighter, et on va voir ce que ça fait. Il y a des chiens dans les RE2R. Bah, il y a des chiens dans Resident Evil 2, ouais, bien sûr. Ces petits bâtards... Bah, attends, oui. Non, je suis pas fou. Non, non, oui, il y a des chiens dans Resident Evil 2. Mais non, pas ça. Je m'en fous que les pages sont vierges. Je veux ça, moi. Voilà. Un pec. Brichetto. Un vieux gramophone. Le disque s'intitule Jupiter. Ah, yon. Il écoute Skrillex, lui aussi. Il y a rien d'autre ici. Rien d'autre de planqué. Est-ce que je peux voir ça sur la map, d'ailleurs? Non, il y a d'autres trucs que j'ai oubliés. Apparemment. Por qué te vas? Pour qui est ta passe?
Il y a un truc que j'ai pas pris ou pas activé ou quoi là. Putain, ça va faire comme dans Doom, je dois devoir appuyer sur toutes les surfaces en faisant. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. Ok, donc j'ai déjà lu ça. Non, mais qu'est-ce que j'ai oublié alors dans cette salle-là? Les livres sur les divers peuples de la Terre. Non, c'est des conneries ça. Il n'y en a pas d'autres. La ref Minecraft, c'est une ref... Putain, mais c'est une référence Doom, espèce de con. Quel enculé. De l'usage des plantes médicinales. Comme vous... Ouais, ça, on s'en fout, ça. L'herbe rouge, il y a les herbes bleues aussi, du coup, c'est ça? Ok. Putain de casu. Ok, d'accord, donc ça, c'est même les documents, en fait, que t'as à lire comptent pour des trucs... D'accord. Ok. Eh ben, écoute, regarde, dans l'autre pièce rouge, là-bas, il y a encore les trucs que j'ai oubliés. On va y aller tout de suite. L'autruche, suicide-toi. Waouh, l'hostilité. Je suis pas d'accord. Attention. C'est où? Non, c'est plus loin. And he died for your sins. Il me faudrait des munitions de fusil de chasse, parce que si jamais on doit appeler un kleps pour récupérer un item sur lui et qu'il faut le buter et que je dois le faire au flingue, ça va prendre des milliards d'années. Vraiment. Non, mais littéralement, des milliards d'années. Ok, herbe rouge. Ça, c'est bueno. On va combiner les deux. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, je suis obligé de laisser les deux autres herbes là. Parce que j'ai plus de place. Ça, c'est toujours fermé depuis tout à l'heure. On est d'accord? Ouais, c'est verrouillé. Un casque. Ok. Donde están las municiones de la fusil à pompe? Tout ça, tout nil, un fusil! Bonsoir là-dedans. Salut Nick, salut Biob. Salam ceux qui arrivent, exact. Comme on dit nulle part. Qu'est-ce que j'ai pas ouvert maintenant qui puisse être ouvert? Ah, il y a un autre. Ah non, un autre escalier, mais celui-là, je peux pas l'ouvrir maintenant. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille sur le balcon du premier étage et que... Ouais. Pas le choix, hein. Attends, il est où le balcon du premier étage? Je suis paumé. Merde. Ouais, le balcon avec le sifflet. C'est bien ça, hein, ouais. Faudrait être... Un liqueur! Mais non, mais ils ont dit un chien. D'accord, je vois où il est le balcon, c'est bon. Qui se fait pas... Mais non, mais ils ont dit un chien. Ils ont pas dit un liqueur. Non. Pourquoi il faut que ce soit un liqueur? J'ai même plus de munitions de fusil de chasse. Putain, j'aurais su, j'aurais gardé mes munitions. Ah, le con. Oh, putain. J'ai save il y a pas longtemps, quoi. Ah, merde. Attends, on va pas prendre de chance, comme on dit en anglais, mais ça se traduit super mal en français. On va aller direct. Ouais. On va aller save en bas. Mais non, putain, j'ai pas de ruban encreur. Ah. Putain. On va aller save en bas, là. Pour un puzzle game, il est quand même un peu survival. Non. C'est faux ce que tu dis, Romtou, tu reprends pas ma rhétorique pour me la foutre dans la gueule, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est de la merde. Ok. Maintenant il flippe. Je flippe pas, j'appréhende. Ok. C'est pas pareil. Il y a une logique là-dedans. Mais oui, c'est logique. Hop, je vais prendre un ruban encreur. Tac, qu'est-ce que je peux prendre d'autre qui pourrait être bien pour un liqueur? Tu sais quoi, vas-y, on va se préparer au combat contre le liqueur. On va save là. Je pense, il y a des chances que je claque là, hein. on est tous d'accord. Je save beaucoup trop, mais c'est parce que j'ai été tellement déçu par la vie que je peux plus prendre de risques là. Comprenez-moi bien. On va tège le ruban encreur pour l'instant, on va tège le briquet pour l'instant et on va prendre avec nous un spray de premier secours. Le fusil de chasse, je sais pas si je vais avoir des munitions maintenant, donc pour l'instant on va pas le garder. Et le sifflet pour chien, on est obligé de le garder. Ok. Maintenant, c'est parti pour le fun. Le fun de se latter contre un liqueur au pistolet. P-N-A-N. Vas-y, pète la poignée de la porte, je m'en bats les couilles. Je viens d'imaginer un liqueur qui glisse sa grosse langue dans le cul de Jill, puis j'ai relativisé en me disant que ça doit être sur un roule 34 depuis quelques années. Toi, t'es possédé, mec. Hein. T'as des soucis, hein.
Enfin, et encore, t'en aurais qu'un, ce serait cool, quoi. Ok, il faut retourner tout de l'autre côté. Putain, pourquoi y a pas de fast travel ou de téléportation, quoi? C'est vraiment mal foutu, ces vieux jeux, hein. Putain, faut tout faire à pied, quoi. Alors que c'est une maison, quoi. Enfin, c'est une maison, c'est un putain de manoir avec certainement un laboratoire en dessous, hein. Les gars de Resident Evil, ils savent pas faire un bâtiment sans laboratoire en dessous, je crois, en fait. Y a même dans des villages africains, littéralement avec des maisons en caca, hein, on va pas se le cacher, ils foutent des laboratoires en dessous. Parce que la science, parce que voilà, ils ont pas de raison, ils ont envie de foutre des laboratoires, ils en foutent, tu vois. Moi, si j'avais autant de thunes, je foutrais des laboratoires un peu partout aussi, hein, faut pas déconner, hein. Skyrim, c'est mieux. Mais ouais, Skyrim, au moins, t'as une boussole, quoi. Et puis Skyrim, ils disent quoi faire. Là, c'est pas évident, quoi. Et putain, je suis pas là pour jouer à un jeu vidéo pour... c'est bon. Je suis pas là pour prendre la tête. J'adore ça. J'adore cette expression. J'adore quand les gens, tu leur dis « Mais ça te fait pas chier de jouer à de la merde comme ça ?» Et que eux ils disent « Mais c'est bon, mais moi, je suis pas là pour me prendre la tête, quoi. Moi, je suis là pour passer un bon moment. C'est bon, tu vois. » Genre, jouer à un jeu, c'est de prendre la tête, quoi. Là, ok, je me prends la tête, mais... Skyrim, tu peux lâcher sur toutes les consoles. Ah ouais, là pour le coup, carrément, quoi. Là, pour le coup, Skyrim, tu peux lâcher sur un grippin, ça pose pas de problème. Sur un Solex. Vous avez déjà eu des Solex? C'est un mot que tu peux dire uniquement comme ça. Solex. J'ai mal quand tu dis ça. C'était Astier, je crois. Non. Oui, ça, c'est encore les corbeaux. Putain, à chaque fois, je me fais niquer. Je me dis, tiens, il va y avoir un truc qui va m'attaquer. Mais non, c'est les corbeaux. Astier était tombé sur une nana. Je crois que c'était... Il parlait avec une mère... D'un candidat d'une télé-réalité à la con là sur un plateau télé et il disait moi je pense que le soir il faudrait mettre des émissions, alors il se la pétait un peu aussi, enfin il faisait son extra acier quoi, et il disait ouais moi je pense que le soir il faudrait foutre plutôt des émissions culturelles et tout sur la télé, tu vois, pour apprendre des trucs aux gens, etc. et la meuf elle disait franchement les gens ils sont pas que là pour se prendre la tête quoi. Et il disait mais c'est pas se prendre la tête que d'apprendre des choses quoi, tu vois. Il a raison, mais bon, il se la pète un peu, c'est Alexandre Astier, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'avais kiffé, je suis plutôt d'accord avec lui. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Après, je suis un peu d'accord avec elle aussi. Il y a de temps en temps, moi, en tout cas, ça m'arrive, il y a des fois où j'ai vraiment pas envie de... Il y a des fois où je fous j'ai des émissions d'une heure, genre là, j'ai une émission que j'ai toujours pas regardée sur YouTube, c'est une vidéo d'une heure et demie sur des tailleurs de pierre et des forgerons à l'ancienne qui refusent de laisser passer leur métier, tu vois. Genre c'est des gars qui continuent à faire leur métier alors que maintenant il y a des grosses corporations qui s'en occupent. Et je veux dire c'est super intéressant mais là franchement j'ai la flemme quoi. Parce que j'ai envie de mater de la merde, j'ai envie de mater... Est-ce que c'est du... Ah il y en a pas beaucoup, d'accord, ok. Donc ça c'est une station de rechargement de vie. Il y avait ça aussi dans Resident Evil 2 avec des herbes bleues mais c'était à l'infini pour le coup. Attends, bougez pas... ok d'accord. Alexandre Astier, s'il est pas un peu condescendant, c'est pas Astier. Alors, c'est vrai, ça, pour le coup, Alexandre Astier, des fois, il peut être un petit peu frustrant, mais c'est quelqu'un de, je pense, très très intelligent. Très très brillant. Je sais pas s'il est intelligent, mais en tout cas, il est brillant. Une plante à épines. Ok, allez! Tweet! Allez, viens! Bah voilà! Eh, c'est pas un liquide! Ah! Ah! Aïe, aïe, aïe! Reste par terre. Vous mourrez pas. Ah, moi aussi je peux courir, bande de sale trou. Ah, bande de sale trou du cul. Ah, oui, oui. Tiens, ah ouais. Ah ouah ouah, non. Coucher, coucher, coucher. Il m'a fait mal ou pas? Est-ce que j'ai mal? Je suis en attention. Écoute, je vais pas me faire niquer deux fois au même jeu. Je vais me désattentionner, voilà. Pep! Pep! Ah bah merde alors, c'était pas un liqueur! T'as bien fait de me hyper, tu vois, parce que au moins, tu vois, j'étais préparé. Prendre collier, oui. Bah voilà! Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce collier là? À mon avis, il devrait y avoir un truc dessus. Ouais, il y a un petit truc là. Qu'est-ce que c'est? Il y a un bouton, appuyez dessus. Oh merde! Un petit explosif. C'est quoi? Une sorte de bijou était caché dans le collier. Tiens donc, bijou. Oh! Ouah!
Non, j'hallucine. D'accord, ok, c'est pas une vraie clé. C'est pas une vraie clé. Elle est pas assez rigide pour être utilisée comme clé. Nani. Nani the fuck. Mais qu'est-ce que j'en fous alors? T'es gentil Michel, mais je m'en tape moi. Qu'est-ce que je peux en foutre de ce truc là? C'est de la pâte à modeler. On a probablement plus besoin du sifflet pour chien. Oui, ah oui, ah ça j'adore. Quand Resident Evil te dit vous avez ouvert une porte avec la clé, vous en aurez certainement plus besoin, le jeter, ça je kiffe. Faut que tu fabriques la porte autour. Oh putain les gars! T'as pas une clé à remplacer sur un piège toi? Oh là là, Adwim! Oh putain, en plus Adwim il me fait des petites... tu sais, il fait des petites questions un peu rhétoriques à la perfouras, tu vois, j'adore. J'adore ce truc. Et puis après, t'as Momo qui fait « La clé avec les statues, clin d'œil, clin d'œil !» Il est un peu moins perfouras, il est plus la boule. Mais je... Franchement, au moins ils m'aident, tu vois. Ils sont... C'est la camaraderie, que veux-tu. La finesse angevine. Voilà, c'est ça, tout le monde en parle, personne l'a vu. Ok, nice. Putain, ça j'avoue que je me souvenais pas, j'avoue que j'aurais pas trouvé tout seul. Je vous admets que, enfin, il aurait fallu que je réessaye, et je pense que j'aurais trouvé dans une demi-heure, quoi. Heureusement que vous êtes là. Donc du coup, c'était au premier étage. T'as pas un gros doigt à te mettre dans le cul, par hasard? Merci, funéral. Toujours là pour aider, lui, hein. L'assistance funérale. J'aime pas ces bruits de corbeaux, là, vous faites chier tous. Cassez-vous! Ah merde! Oh le con! Ah c'était une idée à la con ça par exemple! Oh le con! Oh là là, j'y suis en train de me taper! Oh la merde! Oh là là! Oh là là! Oh là! Oh, oh merde! Alors là, j'avoue, ça m'a. J'avoue. Là, j'avoue, je m'y attendais pas. Oh! Je veux plus jouer à ce jeu. Pourquoi toute la vie m'en veut? L'autre il s'est levé là, genre. Je suis sûr quand il s'est levé, le zombie ça fait. Une concesse. Ok, file-moi ça. Vas-y, empare-toi de l'emblème, tac. Clé du manoir, ça je prends. Oh bah merde, un piège qui se rétracte sur ma vie. Jill Valentine contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier. Et paumée dans le manoir Spencer, elle a retrouvé Barry et Wesker. Elle se fait manger par des zombies. Elle a saigné du vagini. Ok, donc ça c'est la clé armure. Très bien. Je vais jamais retourner dans la pièce qu'on a vue avant avec le... comment on appelle ça? Le Crimson Head, parce que... parce que je t'emmerde. L'emblème d'un casque, d'accord. Donc la seule porte qu'il y a dans cette salle est une porte à ouvrir avec la troisième clé. Haha! Resident Evil! Putain, il va falloir que je repasse par le Crimson Head. Oh, shit, Audi. Oh, putain. Et heureusement que Spencer, il aimait bien les escape games parce que ça rend le bordel. Quand il devait ramasser les cours, ça devait être chiant. À chaque fois... Attends, oublie pas de mettre la clé dans la fausse clé, hein. La clé dans la... Ah, merde, il est mort. Merde, fais chier, je lui ai juste demandé de me chercher un cacolac. Comment je vais le passer? Ils sont chiants, les Crimson Head, ou ça va? Ou est-ce qu'on peut les passer, genre, tranquille, hein, si je fais ça, genre... Il est pas là. Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Ah là là! Ah là 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 là! Ah là 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 là! Et en plus, faut que je repasse par les corbeaux. Ils vont encore m'en vouloir ou pas? Non, je crois que ça va. C'est bon, les corbeaux m'ont oublié. Je préfère Crimson King que Crimson Head. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Mais il est passé où? Il était dans le reste du couloir ou il va me choper ailleurs? Ça peut se déplacer, hein, Crimson Head? Ça peut changer de pièce? Mec, si ça peut changer de pièce, je change de jeu. Hein. Je me casse, hein. Donc, du coup, le code couleur, c'est... Je sais pas. C'est quoi les portes qu'on peut ouvrir? Dans la grande salle, il y a pas un truc avec l'horloge? Je crois pas. J'ai déjà essayé, il me semble, l'horloge, non? Mais ça disait juste... ouais, sympa, c'est l'horloge. Il me semble.
Genre, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Mais ça n'a aucun sens. Et le tableau avec les épéistes? Bah oui, mais ils sont déjà en train de se transpercer, ils sont cons les mecs. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transperté la tête de l'autre. La plus... Ouais. Oui, bah regarde le tableau, je suis en train! Eh bah... Qu'est-ce que c'est, des potes à couac? Il y a des mecs qui se foutent des coups d'épée, quoi, qu'est-ce que ça peut me foutre? Il y a des épées là-bas, mais on s'en fout, non? Qu'est-ce que ça peut foutre? Je sais plus, mais il y a un truc avec. Bah non, mais merci. Non, mais pour l'instant, là, on peut rien foutre. J'imagine qu'il va peut-être y avoir des trucs à changer après, des statues ou des conneries dans le genre, mais là, pour l'instant... Oui, parce que la salle est encore rouge. Mais... Je crois qu'il y a un truc à faire, là. À mon avis, tu fabules. Bourgeois de bonne aloi. Aurais-tu la fabulette bien preste? Est-ce qu'il faut que je me bouge les bougies, là? Faut que je me touche le cierge? Non, à mon avis, c'est plus tard. À mon avis, c'est plus tard. Salut, Whisky. À mon avis, ça va être plus tard, ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a un truc plus tard. D'accord, ok. C'est quoi, du coup, le code couleur pour les portes? Rouge, c'est qu'on l'a pas déjà ouvert, et bleu, c'est qu'on l'a déjà ouverte? Ou alors, c'est genre rouge, on peut pas les ouvrir? Et gris, on peut? Non, je comprends pas. Fais voir, parce que par exemple, celle-là, là, c'est verrouillé. Problème d'un cax. Ok. Donc c'est vraiment rouge, c'est cax, et bleu, c'est pas cax. Bah non, c'est complètement con. Rouge, c'est une porte rouge. Bah merci, connard. Qu'est-ce que ça peut foutre? Mettons là. Regarde, au premier étage, je crois qu'il y avait des trucs qui étaient fermés avec des... Voilà, regarde. Voyons voir celle-là, là-bas. Là. Là, j'ai la clé armure. Mec, c'est un bordel pas possible de jouer à ce jeu, hein. Alors j'ai l'impression de jouer à Scooby-Doo, quoi. Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre... Tu vois, là, c'était rouge. Et là, c'est repassé en bleu. Donc ça veut dire que le code couleur, c'est vraiment rouge. Pour l'instant, c'est fermé. Et bleu, c'est les portes que t'as déjà empruntées, quoi. On va résoudre ce mystère. Oh là là, putain. C'est beau, hein. Y a pas à chier, c'est beau. Mais j'aime pas. Voilà. C'est tout. La Scooby-Chat. Merci, funéral. Heureusement que t'es là, hein. J'aime pas entendre, en fait, les bruits de bêtes qui volent. Déjà, j'aime pas les bêtes qui volent. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué. Déjà, les bêtes, de base. Genre les fourmis et telles les... Non, mais prends les munitions, Jill. Fais pas la conne, voilà. J'aime pas ça, les bêtes. Et en plus, quand c'est des bêtes qui volent, alors ça me met pas bien. Tu vois, moi, je préfère latter contre des zombies que contre des insectes, quoi. Vraiment. On a toujours le stream, d'ailleurs, sur Scooby-Doo. Je dis ça comme ça. Mais oui, mais il faut que j'installe ma VM. Oula. Oh, lance-grenade! C'était marqué Tarba sur son truc. Scooby-Doo. Ah. Non, merci, j'en veux pas ton... J'en veux pas ton lance-grenade, je trouve ça trop barbare. Je vais continuer à me battre avec du fenouil. File-moi ça, connard. Bon, alors ça, on l'utilisera qu'en cas d'extrême urgence, d'accord? Alors, j'en entends qu'ils disent dans le fond, toutes les urgences sont extrêmes. Certes, tous les cas sont d'extrême urgence. Je suis d'accord. Pourquoi il y a eu un... Nani? Ça, c'est un cas d'extrême urgence, ça. Ça, c'est un cas d'extrême... Putain, ça, c'est tellement extrême urgence, ça. Oh là là, ça, c'est extrême urgence de ouf, ça. File-moi ça. C'est quoi extrême urgence, là? Tiens, extrême urgence, ta mère, la pute, va. Bon, bah, ça va. Ça va, en fait. T'es mort? T'as saigné ou pas? Faut me dire, hein. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est extrême urgence, le mec. Dis donc, t'as vu, en plus, il se déplaçait vite, lui. Qu'est-ce que c'est que son... C'était quoi, son délire? Il faisait des marathons dans sa vie? Je peux m'asseoir à sa place et me faire passer pour lui? Oh. Tu l'as bien extrême urgé, c'est bon. Je trouve, ouais. Je trouve que je me suis plutôt démerdé pour l'urgage. Attends, est-ce qu'il y a une porte à ouvrir ici, là, d'autres... Non, je crois que c'était juste là, en fait, c'était juste pour récupérer lance-grenade. Très bien. Par contre, est-ce qu'on aura des upgrades de place dans l'inventaire comme il y en a dans Resident Evil 2? Il y a un upgrade de place à un moment, et c'était très très utile pour quelqu'un comme moi qui est facilement la peur de manquer, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'était utile d'avoir plusieurs paquets de 100 000 munitions. Et là, maintenant que j'ai un fusil de chasse et un lance-grenade, j'avoue que ce serait plutôt utile.
Donc ça c'était le premier étage. Voyons voir dans le couloir adjacent. Ou alors est-ce qu'on va save? Non, on va pas save. On va pas save, je joue avec la mort, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez après le stream? Vous voulez du GeoGuessr ou du Far Cry 5? Je voulais choisir le menu. Le menu sobriquet. Est-ce que j'ai fouillé? Ouais, ce couloir. Ok, impeccable. Quoi de Scooby-Doo? Nous, on se te suit partout. On va résoudre ce mystère. Dans le cul. Dans la couille. Ah! Richard! Richard! Ah, j'ai été mangé. Finis-moi, dit. Pourquoi il est en pâte à modeler, ton pote? N'entrez pas là-dedans, c'est une vraie boucherie. Quand tu prends le grade d'inventaire, ça augmente aussi la taille de tes nichons. Un serpent géant? C'est le serpent géant du lac de l'ombre? Une couleur, en fait. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. T'inquiète pas, je reviens. Je vais peut-être me galérer quelques minutes sur les portes, mais... Ah mais tu me fais sortir direct, là? Mais j'avais pas fini, moi. Le serpent géant, il est dans mon lit. Ah ouais, c'est ta bite? Non. Non, c'est juste un serpent géant. Donc il faut que je fasse, eh ben, tout le chemin inverse, ta grosse race par extension, pour aller dans une petite salle qu'ils m'ont montré avec... avec le truc. T'as un temps limité pour te sauver. Oui, mais je me doute, ouais, qu'il y a un temps limité, ouais. C'était au premier étage. C'était au premier étage, ouais. Ouais, je pense que ouais. La Scooby-Doo, il quoi de neuf Sinon, il se transforme en serpent. What? Mais non, il va se transformer en zombie. C'est pas possible de se transformer en serpent à Dream, c'est physiquement impossible. Ok, c'est par là-bas. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Ça va, pourquoi tu conduis? Un chien n'a pas son permis de conduire. C'est par là? Oui, c'est par... Non. Si, c'est par là. Tac. Un gros mamba avec sa bite de mambas. C'est les gambas, Spider. Avec sa grosse bite de mambas. Là, tu confonds avec Mambo Number 5. Il y a un truc qui est en train de s'ouvrir, là. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Non, non, non. Ah, là, attends, parce qu'il y a un truc, là. C'est verrouillé. Ah. Attends, bah du coup, c'est peut-être pas par là qu'il fallait passer. Laisse-moi tranquille. Prends ça, à être abject. Alors du coup, on va avoir un petit problème parce que je pensais que c'était là, le truc. Je pensais que c'était là, le laboratoire avec le sérum. Ça veut dire que je me suis gouré. Donc, j'avoue que c'est pas forcément une... Ah, il est là. Oh la vache, le con, mais il me fout des... Ah, mais lâche-moi, enfin. Je me casse. Oh là là. Eh, le jeu, il est... Ça y est, il s'est mis en vénère, en fait. Le jeu, il a refusé de... Ah, salut. Excuse-moi, je passe, hein. Ouais, mais j'ai pas le temps. On va s'émerder autrement. Salut, excuse-moi, toi aussi, je passe... Ah non! Non, je peux pas mourir maintenant! Je suis trop jeune! Soigne-toi. Soigne-toi, Michel. Voilà. Oh, putain, c'était chaud du cul, là. Putain, il est où, son sérum, à l'autre connard? C'est là-dedans? Eh, j'espère que c'est là-dedans, sinon c'est la merde, hein. Elle m'a fait peur, la porte. Mais non, c'est pas là. Et merde, c'était à l'étage en dessous? C'est la merde. C'est la merde, poteau. C'est la merde, poteau. Poteau, c'est la merde. C'est la merde, poteau. C'est la merde, tu vas perdre ta peau. Pip-ti-tout. Non mais remarque, ça peut être que au premier étage ou au rez-de-chaussée en fait, donc... c'est forcément là. Hop, hop, c'est ici. On dirait qu'il... Non mais on s'en fout qu'il est mort depuis quelques heures, t'as cru que ça m'intéressait, voilà. J'aime pas les temps limités, putain. Ok, c'est ici. Sérum. Il est là, sérum. Yes! Sérum. Est-ce que je save maintenant? Je vais save maintenant. Vidididididididit. Ruban Anchor. Tac, tu peux poser le fusil de chasse pour l'instant. Elle est où la machine à écrire? Elle est là. Save, Gilles! Gilles Stella! Excusez-moi, je suis très malade. 8 saves, c'est vraiment ridicule. Hein. Normalement, tu fais pas autant de saves pour jouer à un Resident Evil, mais c'est pas grave. Mieux vaut prévenir que rester prévenu. Prévenir. Ça met sur pause le temps quand on a la carte ouverte ou pas? Alors attends, je suis où là? Nanana, nanana. Enfin, je me casse au premier étage. Ok. On va passer par les deux autres enculés là.
Donc les Crimson Head sont des fils de pute. Moi, c'est ça que je retiens de tout ce stream. C'est des gros bâtards et je pense que c'est le genre de mec qu'on est décapotable en hiver et qui sont là genre ouais mec putain mais si t'as pas conduit une décapotable une fois dans ta vie mais tu rates mais de ouf quoi. Je suis sûr que les Crimson Head c'est ceux qui te font genre quoi t'as pas vu les Goonies. Eh mec t'as pas eu d'enfance ça mais ça. Oh je crois qu'il y a pas une phrase qui me trigger autant que eh mais t'as pas eu d'enfance quoi. C'est pas parce que moi à partir de 9 ans je regardais le Soldat Ryan et Kill Bill que j'ai pas eu d'enfance quoi. C'est complètement désaxé quoi. Mais non mais oui mais t'as pas eu d'enfance mais si déjà. Si je suis ici c'est que j'ai pas passé mon enfance à être enfant soldat par exemple. il était où l'autre con là merde. Du coup je sais plus où il était. Il était là dans cette pièce là. Quoi, t'as pas vu les Turbo Mommy, mais t'as pas eu d'enfance. Même, je regarde les films et je pose mon cerveau à côté. Ah oui, ça aussi. Oh, oh là là. Alors ça, c'est le genre de film, il est bien, mais quand il rentre dans la salle, tu laisses le cerveau. Hein. Ouais, ben, ça m'intéresse pas. Ou alors, les mecs, tu leur dis... alors, il était bien le film, et le mec, il te fait... Ça m'a pas dérangé. Comment ça, ça t'a pas dérangé? Évidemment que ça t'a pas dérangé! Putain, ça m'énerve ça! Les gens m'énervent. Je trouve que les gens sont des connards. Et en plus, ils sont médisants. Médisants. J'ai quasiment plus de ruban encreur. Et ça, par exemple, quand on analyse l'information, plus on l'a dit, plus c'est la merde. Évite de monter au grenier sans lance-grenade. Ben non, je sais, j'ai lu. T'inquiète pas, y'a pas de problème. C'est pas la peine de répéter 3 fois, les gars. J'ai lu. Ça va? Putain, c'est Krauser ou quoi? I'm okay. The others. Ok, c'est très bien. Alors, donc là on était passé par là, on va continuer par là-bas. En parlant de film, t'en as pensé quoi de Glass? J'ai trouvé qu'il était plutôt bien, mais il m'a pas enchanté plus que ça. Et je l'ai trouvé un peu faiblard sur quelques aspects. Ah, ça va génial! Tiens, mange ta grosse rage, je te tire dessus pendant que t'es au sol. Mon fils va tirer sur ton fils. Ah, les couilles dans le presse-agrumes. Voilà. Encule ta mère. Donc ça, c'est bon. Oui, donc Glass, ouais, il était très sympa. Visuel, très bon. Direction de photographie, très impressionnante. Mais ouais, il m'a pas... J'ai pas sauté sur mon siège, quoi. Si tu veux savoir, j'ai préféré Overlord, le film avec les nazis zombies, que Glass. Voilà. Et peut-être que c'était juste pas mon style de film. Oh putain, il faut un briquet. Putain, il est où le... Oh là là. J'ai croisé une save room tout à l'heure. Ah oui, elle était totalement de l'autre côté du truc. Attends, il doit y avoir une save room dans le coin parce que... Ah bon, doit y avoir une save... C'est obligé qu'il y ait une save... Ah, attends. Oh. Attends, il y a peut-être un truc, là. Est-ce qu'on peut bouger ce buffet à vaisselle? Voilà, regarde. Et save room. Non, juste zombie, le blanc. Eh, mais t'es vraiment un enculé, toi, dans le métier, non? C'est comme ça qu'on t'appelle. Toi, t'es vraiment un connard. C'est... Non mais t'es sérieux? Non mais t'es sérieux? Ça c'est ce que tu fais. C'est-à-dire casser les couilles c'est ton activité primaire quoi. T'es rémunéré. Et par contre au niveau voilà. Au niveau j'ai dépensé 3 chargeurs dans un zombie. On en est comment? Non mais attends, ce qu'on va faire c'est que je vais... C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ça? C'était qui ce mec? Comment il s'appelle? Je veux son nom, je veux son matricule, moi je veux voir le responsable de l'établissement là. Qu'est-ce que c'était que ça?
Attends, non, non, mais c'est moi qui ai merdé ou quoi? Je l'ai mis, je l'ai bourriné, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain! C'est le zombie de Rasputin! Mais ouais, mais il a rien à foutre là, l'enculé, là! Merde! Pourquoi il est comme ça? C'était même pas un Crimson Head, c'était un mec normal! Pourquoi il est pas mort? Bon, va falloir retourner sauver l'autre con en plus. Tu l'aurais mieux vu en allumant la pièce. Ah putain, j'aurais dû prendre le briquet maintenant. Je prends le briquet maintenant. On va retourner là, tac, voilà. On va reprendre le briquet, comme on va s'assurer de ce que c'était. Attends, parce que du coup, voilà, ça permet... Sors tous les briquets. Ça permet d'éviter toute... voilà. Ruban encreur, on va le laisser là. Comme ça, ça nous permet... Voilà, ça c'est bien ça. Impeccable. Allez, retournons voir l'autre trou de balle. Qu'est-ce que c'est? C'était un Crimson Head? Non, mais il me semble pas. Et les Crimson Head, ils sont plus rapides, non? Il m'aurait mis des pains, là. Là, il était lent, en plus. C'était juste un mec, hein. Quoi, il avait un gilet pare-balles? C'était Zombie Kevlar? Non, mais casse-toi, toi! Mais tu vois pas que tu déranges? Voilà, c'est lent, en plus. Je sais pas si marteler la touche de mon... Je martèle les touches de ma manette, en fait, c'est un peu automatique. Je sais même pas si c'est... si c'est nécessaire. Ça change quelque chose ou quoi? Parce qu'il me semble que c'est dans Resident Evil 3 que... quand le mec te ch... Ça, c'est un Crimson Head. Ça, c'est un Crimson Head. Parce que là, il va casser les couilles, là. Oh là là, il fait des cris. Oh là, il fait des cris. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur. Je voulais pas vous déranger. Donc, les Crimson Head changent de salle. Ils se baladent. Ok. Donc, ils ont le free will, comme on dit. Free will Smith. Oh là là, putain, ce jeu vidéo, quoi. Ça, c'est vraiment un jeu vidéo, quoi. Il y a des fois où je me dis, ça, c'est vraiment pas un jeu vidéo. Ça, c'est un jeu vidéo, mais de ouf, quoi. Just a dude. Il s'appelle Michel, il fait de la couture. Je suis pas sûr, en voyant le mec, je suis pas sûr que la couture soit son aspect favori. Je pense que ce qu'il préfère avant tout, c'est quand même casser les couilles. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir me refaire un truc. Je vais lui foutre un coup de lance-grenade dans le cul, tu vas voir, il va moins faire son kekos, là. Ou alors, j'ouvre, et je lui tire dessus de loin. Et je l'insulte. J'insulte sa mère à distance. Peut-être que là, au moins, il comprendra l'étendue de ma colère. T'as le look coco. Pourquoi j'ai ça en tête maintenant? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui fait que... Ah, oh, mais merde, le con! Casse-toi. Bip! Bap! Bip! Voilà. T'as le look coco. T'as le look qui te colle à la peau. Crimson Head is a zombie of focus, commitment, sheer will. With a fucking pencil! Voilà, impeccable. Ça, c'est bonnard. J'ai quand même pas mal de balles. J'avoue, je pensais en avoir moins, mais du coup, c'est pas mal agréable. Utilise ça, vas-y, allume la pièce. Ah, ça, c'est le fort... c'est de gusto, ça. Ça, c'est de gusto, ça. Y'a quoi là-dedans? Fuck. Et bien évidemment, moi j'ai le lance-grenade, j'ai pas le fusil à pompe. Pourquoi? Parce que simplement... pourquoi? Bah parce que arrête de poser des questions, d'une. De deux, j'ai pas d'ordre à recevoir. Est-ce que je me suis niqué? Non, c'est bon. Oh putain, j'ai commencé à flipper. Est-ce que genre là, déjà il est actif? Est-ce que je peux lui tirer dessus si j'ai fait ça? Hein? Ah, c'est pas encore tout à fait ouvert. Là, c'est bon? Est-ce que je peux lui tirer dessus, là? Attends, un peu plus comme ça, voilà. J'ai pas l'impression. Ok. Voilà, on sort. Putain, c'est un Ganados. Alors, je comprends pas. Pourquoi il est super fragile là? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ok, il est pas fini. Ah, tu t'es pété la gueule.
Pas fini. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Putain, je suis en train de tirer dans les bougies. Pas de boogie woogie avant de faire votre prière le soir. C'est bon? On peut passer à autre chose peut-être? Pourquoi il a pris autant de balles, lui? Je comprends pas, je comprends toujours pas. Et putain de poils. Reste en joue quelques heures encore. Excuse-moi si je suis stressé. 30 partitions musicales. Ah, carrément? Tu vois? Partition musicale. Le début et la fin de la partition ont disparu. Putain, en plus, ça a l'air vachement compliqué, là. Ah, de loin, ça fait juste... Et là, au milieu de la partie, ça fait... Je sais pas ce que c'est censé être. Ok, on verra plus tard. Bref. Donc, on a récupéré une partition musicale. Eh ben, Lyon, trop de bisous pour un info, hein. Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi il y a une jarre de trucs noirs, là? Qu'est-ce que c'est? Au moins, je suis pas remords. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure? Hésite pas à rentrer dans le grenier sans ton lance-grenade, c'est ça? Ok, allez, on y va. Non, je déconne. Ah, Russian, tu me fais rire. Allez, on arrête les conneries, là. Bernard Ménez, putain, c'était Bernard Ménez. Mais surtout que maintenant, Bernard Ménez, c'est un peu un genre de squelette sur lequel on aurait foutu de la peau. Ça va? Ça m'intéresse pas. Ça va? Richard se repose. Vous devriez peut-être laisser tranquille pour le moment. Franchement, ça c'est irrespectueux ce que tu viens de me faire là. Je sais pas si ça me plaît vraiment ce que tu viens de me dire là. Voilà. Oh. Alors, est-ce que cette grande porte va s'ouvrir? Vous avez utilisé la clé armure. Ok, donc déjà c'est pas mal. Déjà, là il y a de la progression là. Là il y a du progrès, il y a de la progression, ça me plaît. Je sais pas ce que je viens de voir. Je sais pas ce que je viens de voir. Et ça me stresse. Qu'est-ce que c'était? Parce que là, je sais que si jamais ils décident d'abattre leur épée sur ma gueule comme dans Resident Evil 4, j'aurai pas de QTE. Et Oh, attends. Bah oui, mais c'est bizarre, non? Vous me tapez pas, les mecs, hein, franchement. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton, appuyez dessus. Non, je peux me faire niquer deux fois au même jeu. Je peux utiliser ça? Non. Là, franchement, une safe state, j'avoue que ça aurait été pépère, quoi. C'est quoi, ça? Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Mais de toute façon, j'ai même pas de place pour prendre un objet. Je vais aller voir si on peut pas trouver une safe room dans le coin pour me décharger un peu les couilles. Et on revient dans cette salle après pour voir ce qu'on peut y foutre, d'accord? De toute façon, je pense que je lâcherai... Oh, remarque, oui, non, il y a bien encore une bonne heure de jeu, là. Je compte bien sur une bonne heure de jeu encore. Enfin, si le jeu est d'accord, en tout cas. Vous sentez la chaleur de la lumière sur votre peau. C'est de la merde, ce que tu me racontes. On n'est pas dans Cryostasis, là, on n'est pas avec Blade Boy. Tu peux pas interagir avec les armures. On verra plus tard, funéraire. Pour l'instant, je suis plein. J'ai pas envie de faire des trucs pour rien, donc je vais me délester. Parce que là, j'ai un briquet, un lance-grenade, des munitions de fusil à pompe, si tu veux, ça sert à rien, quoi. Donc, je vais lâcher le lance-grenade. Je vais garder uniquement les munitions de fusil... Non, je vais lâcher les munitions de fusil à pompe. Je vais charger mon fusil à pompe, prendre mon fusil à pompe, lâcher le briquetto. Lâcher la partition. C'est une safe room? Non? C'est juste une room qui fait peur. Il y a une grande éraflure dans le mur. Ça ne semble pas être de l'œuvre de ces créatures, j'aime pas. Laisse-moi! Délaisse-moi! Putain, Arsène! T'es sérieux, là? T'es sérieux dans ce que tu m'avances, là? Mais surtout, regarde-moi! Laisse-moi! Délaisse-moi! Save room? Ah, une bonne save room! Non, c'est pas une save room du tout, ça. Qu'est-ce que c'est? First aid kit. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un kit de premier secours? J'ai encore un ruban encreur sur moi? Putain, mais non, mais j'ai même plus de ruban encreur. J'ai trop de trucs qui me remplissent, là. Putain, j'ai plus de place! Oh, c'est chiant!
Ok, donc cette room là, il va falloir qu'on la fouille avec plus d'avidité. Vous savez creuser avec trop d'avidité. Et oui, à mon âge, j'écoute aussi de la musique de jeunes. J'espère qu'il y a des gens quand même qui savent ici de quoi on parle. Na 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 na. Laisse-moi, délaisse-moi. Putain, j'ai dans la tête maintenant, tu casses les couilles, hein. Laisse-moi. Non, j'en refais pas une autre. Ah. Ah, salut Barry. Quoi de neuf, poteau? Ah, ouais. Ah, une femme. Ah, écarte-toi, vil guenon. Testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur. Le haut a été déchiré, le reste de la lettre est encore lisible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder, retarder comme Spider. L'inéluctable. Je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon... Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste, je suis désolé. Martin Crackdown. Ok. Bah c'est cool. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. C'est quoi qui te fait dire ça? Le fait qu'il y ait des laboratoires ou le fait qu'il y ait littéralement une crypte? Let's continue our investigation. Ouais d'accord, mais je peux avoir une machine à écrire? Ou un PDA, un... connerie? Pourquoi d'ailleurs c'est que sur les machines à écrire qui savent leur jeu? Pourquoi il n'y a jamais de... Elle est pleine de rapports biologiques. Ben, dis donc, comment tu parles? Donc il y a d'autres trucs ici qu'on peut foutre. What? Ça, je peux pas le prendre non plus parce que j'ai peu de place. Spécimen d'insecte, il y a un bouton en dessous. Rien ne se produit. À mon avis... Ouais, quoi, il y a Dragonfly, Dragonfly, Bagron, Dragonfly. C'est Beetle au milieu, non? Ouais, je sais pas. À mon avis, il va falloir les changer de place. Vous allez voir un truc comme ça. D'après l'odeur, cet aquarium a dû abriter des êtres vivants. Peut-être s'en servait-on pour élever des sortes de créatures. D'après l'odeur... Ouais, non, ça c'est bon, j'ai déjà vu. C'est quoi, ça? Il y a un truc, là. Hey, non, mais attends. C'est quoi ce délire? Pourquoi il m'envoie autant de trucs dans la gueule, là? J'ai pas de place, là. Le jeu, il sait même pas quoi faire avec ses items. Il y a déjà 5 items que je peux pas prendre, là. En plus des herbes. Ah vache. Allez, sortons. Il faut que je trouve une safe room dans pas longtemps, parce que là, ça va être compliqué au niveau je sens que je vais crever dans pas longtemps, je sais pas pourquoi, en fait. Non, je suis normal, pourtant. Comment elles tiennent, ces épaulettes? Funéral qui pose des questions qui fâchent. Je viens d'y passer, mais comment elles tiennent, ces épaulettes? Je ne sais pas, Funéral. Écoute, ça, c'est les questions qui resteront à jamais sans réponse, tu sais. C'est verrouillé. Oh! Tout. Ah. Et bon, bah, écoute, retournons essayer de choper une save room. Il y en a une à cet âge-là ou quoi? Oui, il y en a une à cet âge-là. À moins que je me fourvoie. Oui, juste là. Et juste là en plus. Bah oui, c'est juste en bas d'escalier. Bien sûr. Where's the money, Lebowski? Where's the money, shithead? Ah, bref. Let me take another look. Ah, j'ai envie de mater The Big Lebowski encore, tiens, voilà. À chaque fois que j'ai cette réplique dans la tête, j'ai envie de regarder encore une fois The Big Lebowski. Ah. Wow, pourquoi il y a autant de trucs par terre, là? Attends, il se passe des choses, là. Là, il se passe des choses, là. Peter Stormer, ouais, encore, tu vois, encore Peter Stormer. Oh la vache! Mais qui c'est qui a laissé tout ce care package, là? C'est pas le jeu qui se dit que je suis trop nul, on est d'accord, c'est Barry qui a foutu ça, là. S'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y en a un qui va faire genre, ah putain, moi j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu de problème. C'est Barry, ok, c'est bon, ok. Ok, c'est bon. J'ai pas besoin de le prendre mal, alors. Il est gentil, Barry. C'est vrai qu'il est gentil, Barry. Il est un peu dans bon point, mais c'est un homme très agréable. Prendre grenade incendiaire, bah écoute, oui, on va les prendre avec nous, mais on va les foutre dans le coffre. On va prendre aussi les sprays. Quoique, on va pas prendre les sprays avec nous, on va les laisser là, parce qu'il y a déjà deux herbes vertes qu'on peut prendre. Trois, même, il y a plein d'herbes au premier étage, là. Donc on va se délester. Arsène, ta gueule. Voilà. Et on reprendra le lance-grenade une fois qu'on en aura besoin plus tard, là. Voilà. Ruban encreur, par contre.
J'ai Forget. Il m'en reste un. Yes, il m'en reste un. Oh, c'est chaud. Mais bon, au moins, je vais pouvoir save, quoi. C'est pas grave s'il m'en reste qu'un, tant pis. Mais au moins, je peux save, quoi. Et on va être à l'aise. C'est nécessaire, vraiment, de cramer tous les cadavres ou c'est juste un aspect de gameplay comme ça, pas vraiment important? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je me mette en tête de cramer tous les cadavres que je croise? Est-ce qu'ils vont, genre, tous se transformer en Crimson Head? Ça, c'est une question importante. Qui répondra à la question, est-ce que je veux passer les 15 prochaines minutes à me chier dessus? Ça dépend si tu veux te chier dessus. Ah, tiens, c'est marrant, Adwim, il y a comme un thème. Ok. Ok, donc, il y a y a clairement une envie de me nuire, en fait. Je vois. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis malade. Complètement malade. Voilà, ça c'est bien. Ça sert à rien du tout. Wink, wink. Arrête. J'aime pas quand Adou il me fait des clins d'œil, je me sens pas propre. C'est sale. Adwim, il est sale. Alors, du coup, il va falloir qu'on passe par là, qu'on retourne dans cette pièce-là, qu'on ramasse tout ce qu'on peut dans la pièce de droite, pour qu'ensuite, la pièce de gauche, pardon, pour qu'ensuite on les pose tout dans le coffre et qu'on repasse par la pièce de droite pour reprendre tout. Il y a encore des herbes là. Oh la vache, mec, quoi. Le jeu te donne trop de trucs, en fait. C'est pas pratique. C'est un jeu qui est pas pratique, en fait. Je pensais pas que j'aurais vu ça un jour, mais oui, c'est un jeu qui n'est pas pratique. Ruban encreur, je prends, parce que là, ça va commencer à être un peu la ch'tec. Herbe verte, non, remarque ça, je m'en fous un petit peu, je vais la manger maintenant, tiens. Ça c'est du gâchis, mais je t'emmerde, tac. Voilà. Balayouille. Donc ça ici, c'est qu'une une pièce, une pièce de ravitaillement, quoi. Une pièce de boss fountain, en fait. Il y a une boss fountain, mais sans boss, quoi. À part si on va dans le grenier, j'imagine, apparemment, ça chie dans le grenier. Ça chie dans le grenier, c'est le nom de ma sextape. Ah, c'est rigolo, quand même. Il y a une vidéo de Gaspard Noé qui s'excuse de pas pouvoir se rendre au Mexique pour la sortie de son nouveau film. Et tu le vois dehors en plein de manifs et genre, ça part trop en couille. Chier dans le grenier, c'est moi, ça. Tu sais qu'en ce moment, funéraire, c'est un peu ton stade anal. Tu parles beaucoup de caca et de fesses, mais ça arrive à tout le monde, hein, tu sais, ça arrive même au meilleur. Hein. Regarde, Carlos, ça a duré toute sa vie. Hein. Et s'il n'y a pas de meilleur exemple que Carlos, franchement. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé. Qu'on ait vu depuis des années. Carlos, il parlait de bite, oh, de cul un peu. Il n'y a pas que le fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, il y a un truc écrit là depuis le début. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-la en cas de coup dur. Ah oui, d'accord, en fait, c'est vraiment barrique. Je sais pas, parce que sur la feuille, il a genre écrit en calligraphe, en calligraphie. C'est vraiment pas nécessaire, quoi. Ah, attends, il y a ma connexion. Non, connexion, tu bouges pas. Connexion, tu bouges pas, hein, d'accord? Ok. Il y a ma connexion qui a eu un petit mais ça devrait pas se reproduire. C'est le plus beau des papayoulélé qu'on ait vu depuis des années. Donc, qu'est-ce que c'est que ces têtes de cerf là? C'est n'a aucun intérêt. L'autre pièce, je l'ai complètement vidée, très bien. ASMR Carlos, je suis pas sûr. Franchement, hook me up, fam. Qu'est-ce que c'est? Spécimen d'abeille. Ok. Et genre... L'heure d'abeille. Mais non, ah, t'es con. Attends, faut faire genre ça. Faut foutre genre le spécimen ici. Non, non, j'ai pas appuyé encore. On va foutre le leurre là-bas. Voilà. Putain, mais... 3000 de QI, quoi. De QI, quoi. Non, non, je veux juste appuyer sur le bouton. Oui. Non. Ah, ah non, peut-être qu'il faut foutre le l'hameçon sous le leurre. Ouais, attends, j'ai oublié un truc. Je crois que j'ai oublié un truc.
Parce que ça, c'est censé être un leurre. Voilà, il manque un hameçon en dessous, en fait. Donc, je pense qu'il faut peut-être combiner les deux. Ouais, ça pue le truc, là. Tac. On prend l'hameçon. On les combine. Bim! Oh, putain, je suis bon! Bim, blab, skibili, pap, pap. Merde. Skibili, pom, pom. Skibili, bom, 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 bom. Hop, et là, c'est bon. Non, 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 je veux pas la spécimen d'abeille, on est bon, là. Appuie. Oh, oh. Vas-y, Slos. Ah! Ah! Ah, la grosse bête! Non, il y a une grosse bête! Ah! Ça pique! Eh! J'aime pas les bêtes! Eh putain, elle prend plusieurs balles en plus! Tu crois qu'il est Kevlar? J'aime pas les bêtes! Saloperie là! C'est bon? Mais c'était pas une abeille, t'as vu le truc, c'est un bombardier! The Bane! Symbole du vent. Ah, je sais où le mettre, le symbole du vent. Non, pas dans mon cul. Non, non, faut le foutre dans le ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Y'a rien d'autre ici? Non, non, on a fini la pièce, donc c'est bon. Ok, impeccable. Non, funérailles, non. Funérailles couché avec ton cul, hein. Voilà. Je te nique, moi. Est-ce que je peux récupérer... Ouais, je suis toujours en normal, hein. Bah, écoute, je vais laisser les herbes là, elles sont très bien. Elles sont safe. Mais ça doit pas être très agréable de m'entendre me racler le flegme toute la soirée. Mais j'ai pas trop de choix. Donc, il faut que je descende là, que j'aille vers la gauche et que je m'ouvre le tunnel. Laissez entrer le soleil. Oh non, mais c'est tellement chiant ce truc! Putain, faut que je passe par ailleurs! Oh là là, ok, faut que je prenne un détour du coup. Ah, oh, putain, Resident Evil. Passer par là, je crois qu'on peut redescendre, ouais, par là-bas, ok. C'est pas la meilleure trouvaille du jeu, là, les poignées, là. Déjà que c'est chiant, le backtracking. Bon, ça va, dans Resident Evil 1, ça se fait mieux que d'habitude, quand même. Mais déjà que c'est pas forcément agréable, tu vois, de devoir repasser, spawner, oublier des trucs et tout. Ton inventaire, il est petit, donc t'as beaucoup d'aller-retour à faire. Et en plus, couper l'accès à certaines parties dans un sens, ou même le couper complètement, c'est vraiment pas habile, quoi. Vraiment pas habile. En fait, je vois pas trop l'intérêt de... Oui, te faire repasser dans d'autres coins, peut-être pour te faire flipper, je sais même pas. Ça permet d'allonger la durée de vie, au pire je comprendrais, tu vois, allonger la durée de vie, bon bah ça se fait, tu vois. Mais bon, ça fait chier quand même, quoi. Ah oui, non, ça c'est l'emblème du casque. J'ai un petit inventaire aussi et je complexe. On rome tout. Eh bah écoute, parlons-en. Tu sais, c'est pas vraiment la taille de l'inventaire qui compte, rome tout, c'est la façon dont tu l'utilises. Des fois, il y a des gens qui ont des petits inventaires qui ont très bien réussi dans la vie, hein. Franchement, faut pas t'en vouloir pour ça. Et tu sais que par exemple Jill, les gros inventaires, ça la fait mal, hein, tu sais. Faut pas croire, les gros inventaires, c'est pas forcément pratique tout le temps, hein. Eh oui. Ok. Oh, la vieille tête de Jill, quoi, regarde ça. Dépressive depuis maintenant 8 ans. Y'a des bruits là. C'est quoi ces bruits? Oh non, on va y avoir le truc à la fenêtre! Oh putain, je vais me chier dessus. Je rate pas. Ah là là! Excusez-moi, messieurs, dames, voilà, je passe, excusez-moi, y'a vraiment pas le temps là. Merci, je suis réconforté. De rien, Rome 2, écoute, c'est la hotline LMF ici, on peut parler de nos problèmes, hein. C'est un peu comme. Morad. Mais personne se souvient de Morad, de toute façon, donc. Est-ce qu'ils viennent d'ouvrir les portes? Est-ce que le zombie a ouvert la... Oh putain de sa mère! C'est quoi ce
cet enfer. Qu'est-ce que c'est que ce putain d'enfer? J'en peux plus. Je veux plus. Je veux plus, je veux faire d'autres trucs. C'était même pas ici qu'il fallait mettre. C'est même pas là. C'est même pas ici. C'est même pas là. Peut-être que j'examine, faut que j'examine. Examine-le. Y'a rien à examiner. Représentant le vent. Putain, faut que je retourne là-bas. Oh, mais non, mais... N'est tellement pas, quoi. Mets-la, mets ça, ça marche dedans, regarde. Hop. Putain. Oh, putain de bordel de merde. Et franchement, au pire, vous pouvez pas, genre, sortir. Viens. Viens. Viens voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de jeu. On va faire plein de versus zombies. Bon bah écoute, tant pis, on se jette dans la gueule du loup. J'allais dire on se gueule dans la jette du loup, mais ça... Oh, ça se fait, hein, mais bon. Aïe, 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 ah, oh, ah, putain, c'est un Crimson Head. Ouah, ouah. Oh, 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 oh. Ouais, je vais parler comme Charlie Dino maintenant. Oh, 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 oh. Donc ça, d'accord. Tu dois placer dehors le symbole du vent. Ouais, mais dehors où? Dehors là, attends, parce qu'il y a un petit balcon là dehors là. Excusez-moi, voilà, je passe. Pardon, pas le temps. Merci bien. Ah, excuse-moi. Ah, vous êtes trois, dis donc. Là, voyons voir. Bah dehors. Merci, connard. Faut placer dehors. Bah dehors. T'es bête ou quoi? En vrai, c'est moi. Quoi? C'est moi qui te regarde. Quoi? C'est moi qui te regarde. Moi, j'aime bien la bagarre. La bagarre. Ok, il y a toujours plein d'herbes ici. Mais non, ramasse pas l'herbe rouge. Ça n'a aucun sens. Jill. J'allais dire Rebecca, ma pauvre. Non, là, il n'y a rien à faire ici. C'est quoi? C'est un four, ça? Vos gueules. Une chaudière. Elle a rouillé en raison de l'humidité, d'accord? Pas ici. D'accord. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de dehors. Il y a là. Il y a là où on était tout de suite dehors, où c'était pas le bon symbole. Il y a le premier étage, le balcon. Et il y a dehors, là où il y avait les... Là où on a foutu le... Merde. Le bout de flèche, là. Donc, dehors... Esquive de blague antisémite sur rien. Ben, je suis obligé avec vous maintenant, les gars. C'est quoi, ça? On aurait dû une échelle. Une charrette rouillée. Ah non. Elle est recouverte de lierre et il y a peu de chance pour qu'elle puisse rouler. Ça, franchement, c'est triste à dire, quoi. La pauvre charrette, elle a donné toute sa vie pour la course de charrette et maintenant, on lui dit qu'elle peut plus rouler. Elle a une jambe pétée, faut lui tirer une balle. Ok. Bon, on se casse. Du coup, bah, je vais essayer de voir dehors, dans le truc principal, là. Dans la grande salle. Voir si on peut foutre ça, mais... Ça va pas être de bonne facture. Par contre, il y a vraiment le jeu, là, j'ai l'impression qu'il est blindé de zombies, maintenant. Je pensais vraiment que dans Resident Evil 1, il y aurait pas beaucoup de zombies. Genre qu'on les compte sur les doigts de la main, quoi. Mais il y en a beaucoup, en fait, hein. Et certes, il y en a un petit peu plus dans Resident Evil 2, j'ai l'impression. Mais il y en a pas peu, en fait, dans le premier, hein. Quelque part, c'est rassurant, tu vois. Mais ça en fait un jeu difficile, quoi. Alors, symbole du vent. Symbole du vent. Voyons voir. Ici, donc ça mène dehors. Il y a d'autres trucs, peut-être, qui mènent dehors. Pas dans le remake, dans l'original, dans la moins. Ah, d'accord, dans l'original, il y en a moins. Ah, d'accord. C'est marrant, ça. Alors, symbole du vent. Et ici, on est dehors. On a dit que ça allait dehors. C'est quoi, ça? Du coup, ça m'a dit tout à l'heure, ouais, il y a eu la tombe profanateur de sépulture, je sais pas quoi, là. La porte est verrouillée depuis... Merde, non, ça, c'est pas ça. Est-ce que j'ai tout fini ici? Merde, là aussi, j'ai tout fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dehors? Il y a encore le balcon, là-bas. Où j'ai trouvé le lance-grenade tout à l'heure. Ce dehors n'a pas été bien dehorisé. On va le voir. On va aller voir tout de suite.
C'est pas sur un balcon. Très bien. Alors. Attends, mais c'est là. Ah. C'est là, quoi? Ici, là? Là où je suis? Bah non. Où est-ce que ça peut être? C'est pas là. Wesh. Là où je suis, là. Mais c'est pas possible. On a tout fini, on a tout fouillé, là. Et si on va en bas, c'est juste les masques à foutre dans les trous. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, Adwim. Je pense même que quelque part, tu dis de la merde. En toute amitié. Ah, là, c'est juste les masques qu'il faut foutre, là. À moins qu'il faille foutre un truc là-dessus. À côté des tombes. Y'a rien à côté des tombes. En haut. Ça, là. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire... Non. en haut, d'accord, ok, en haut, les escaliers, quoi. Oui, en escalier du couillon, oui, bah, ça va, c'est compliqué aussi, wow, c'est bon, hein. Je suis pas même pour s'ouvrir, ok. En haut de l'escalier, en plus, il me traite de couillon, quoi. De couillon. Tu te rends compte? Couillon, quoi. Ça, c'est les tombes, ici, là. Ça, on est d'accord, c'est les tombes. Y a que dalle. Mais ce serait bizarre que ce soit encore vert s'il y avait une porte à ouvrir. Non, à mon avis, c'est pas là, Adwim. Hein. Bon bah, c'est pas là. Bon bah, c'est pas là, 2 points D majuscules. Sale enculé. Je vais trouver. Déjà, tout à l'heure, on est monté là. On a récupéré un objet sur un balcon, mais il est resté en rouge. Donc, à mon avis, ça va être par là qu'on va devoir faire quelque chose. Regarde, celui-là, là. Celui qui est juste là, là. On va tenter. En fait, je montre avec mon doigt, mais ça n'a aucun intérêt, vu que vous voyez pas mon doigt. Donc. Salut, Marfouin. Ouais, je t'appelle Marfouin, maintenant. J'embrasse ta nouvelle persona. Ta fursona. Ok. Voyons voir. Ouais, ici, tu vois, ici, il y a des trucs à faire, là. Alors, qu'est-ce? Survivant de l'enfer, qu'est-ce? Souvent croise le fer. Ken, dans le chaos les esprits, Ken, contre les fous les bandits. Là, il y a que dalle. Vous m'entendez certainement branler ma manette pour être sûr que je loupe rien. Salut, que cherches-tu? Je cherche une... Ah putain, mais le con, c'est les herbes qui m'ont mis ça. Backspy, je cherche une Golf GTI année 1998. C'est pour aller sur la côte, la Costa Brava, etc. Donc, si jamais tu peux me trouver ça, je serai agréablement surpris. J'attends hein, tes annonces en DM. Si jamais tu vends une Golf ou une caravane aussi, je prends tout. Simple essieu, parce que les doubles essieux maintenant c'est chiant en camping. Mais si tu vends une caravane simple essieu, je prends. Backspy. Ou le van de Scooby-Doo, ouais, mais est-ce que tu... C'est un combi Volkswagen, et c'est vrai que les combis Volkswagen, déjà d'une, ça coûte cher, et de deux, j'ai l'impression que ça consomme vraiment beaucoup, quoi. Alors, à force de dire des conneries, je sais plus trop où j'en suis. Bah écoute, on va visiter encore un petit peu, hein. On va visiter un petit peu. Ça va être compliqué, pourquoi? Tu n'as pas de bras. Si vraiment il me dit, bah ouais, j'ai pas de bras, franchement, je vais bader. Imagine, tu blagues un jour comme ça, tu fais, bah quoi, t'as pas de bras? Bah ouais, j'utilise un software de reconnaissance vocale. Ah, j'espère que ça te gratte pas. J'espère que ça te gratte pas les couilles. C'est quoi ce bruit? Aïe 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 aïe. Laisse-moi tranquille, vile créature. Tu t'es inscrit au Vroom? Pas encore, Dolly. Ouh! Oh putain! Attends. Je vais le niquer comme ça, je m'en fous, hein. J'ai plus de patience que lui, hein. Ça, c'est un vrai Crimson Head, ça. De toute première fraîcheur, toute première facture. Au nom de la police de Marseille, je vous sors de vous arrêter, bordel de merde!
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autolock sur ces ennemis-là, j'ai l'impression. Oh merde. Oh, c'était chaud ça. Je m'en fous, je suis pas sûr moi. Voilà. Voilà, tout ça pour ça. C'est vraiment pas nécessaire. Mais bon, je l'ai buté et je sais que je l'ai buté parce que j'ai eu un achievement qui s'appelait Rouge comme l'acier d'ailleurs. Alors, je voulais aller où moi à la base? Là, ok. Je voulais être sûr que la pièce était fermée là. Peut-être que c'est cette pièce qui mène dehors. Et je pense qu'on va encore faire quelques minutes et puis que je vais arrêter après. Et on va se lancer dans Far Cry 5, ça vous dit? Genre d'en bas? Oh putain, c'est fermé! L'acier, c'est pas rouge. Bah si. Si tu le chauffes. Et là, je te promets qu'il m'a chauffé l'acier, t'inquiète. Hein. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Bah moi, c'est pas grand-chose. J'ai perdu mon boulot, ma femme m'a quitté. Quoi de neuf, Scoob... J'ai vu un truc! Oh putain, j'ai... Est-ce que t'as vu que Jill était en train de fermer les yeux, genre elle savait qu'elle allait se prendre une grosse caisse? Ah! Ah! Je peux pas le taper, je n'arrive pas à lui tirer dessus. Putain, ce qu'il faut pas faire. Oh putain, mais c'est pas possible! Quelle journée de merde! C'est pas possible! Putain! J'en ai marre. Oh, et l'autre il grogne là, putain. En plus, je me suis gouré, j'ai pas pris la bonne porte. Fallait que je prenne la porte. Oh, le con, va falloir que j'y retourne. Et j'ai plus de vie là, je suis en attention. Bon, écoutez les gars, on va essayer de latter le Crimson Head là. À moins que je sois proche d'une safe room. Ouais, je suis proche d'une safe room. Écoute, on va pas prendre trop de risques. Allez. On va aller à Safe Room, je vais prendre un truc, on va niquer le Crimson Head, on va ensuite visiter un peu en haut et je couperai après, d'accord? Et selon... Ah putain, c'est fermé! Non? Non, c'est ouvert là. C'est bon, c'est ouvert. No chill, mais imagine en difficile. Ah non, mais là, non, en difficile, ça aurait pas été possible. Vraiment, ça aurait pas été possible. J'ai bien fait de foutre en normal, parce que même là, c'est vraiment... Il est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple du tout. Même là, je suis... Attends, par où faut passer là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi de Scooby-Doo? Oh putain, il va changer lui hein. Oh là là, c'est la merde. Au revoir, mes amis. Ce fut un plaisir de vous streamer le jeu. Putain, c'est la merde. Putain, c'est la merde. Ouvre. Yes, ok, c'est ouvert. S'il y a quelque chose dedans d'hostile, je meurs. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, un piano! Si seulement j'avais une partition! Y'a pas un genre... Comptoir en bois de chêne. Il dégage un parfum très agréable. C'est super, dis donc, Jill. Dis-moi en plus, quel genre de parfum? Plutôt musqué? Plutôt boisé? Salon cu... Quoi? Tu fais? Vas-y, Slos. Deine Partition Musicalen! Oh! Oh! Kleine! J'aime bien à quel point tu te dis, non mais j'arrête après comme ça, je suis safe après et j'attends patiemment que tu reprennes pour le prochain stream. Bah, quel prochain stream? Parce que ensuite on va faire RE2 Remake et ensuite on fera Soma. Donc, je sais pas trop de quoi tu parles, mais j'ai l'impression que tu te fourvoies, jeune ami. Hein. Où est-ce qu'on peut lui foutre une partition dans le cul à ce piano à queue là? Non, tu le finis. Bah écoute, déjà d'une, ce que tu penses, je m'en bats les couilles.
Est-ce que je peux examiner ça? Elle s'intitule Sonate au clair de lune. Ah! Oh! Une partie des notes a disparu, ne laissant que le début et la fin de la partition. Oh merde, il va falloir que je la... Ah! Fuck that shit. Va falloir que je la combine à ce que j'ai déjà. Donc il va falloir que je rentre à l'abri. L'abri se trouve à peu près quelques milliers de kilomètres maintenant. Tu sais quoi? Vas-y, regarde. On va niquer le système. On va niquer le système! On va cramer des palettes! Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? Tu mets ton gilet jaune! On va détruire ce système! Les flics, ils sont partout! Les amis, après tout! Fais gaffe au lacrymo! Hey, Scooby! Fais gaffe au CRS! Scooby Snack! Ah, Scooby Snack! Macron démission. La 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 la. Ok. Là, de toute façon, on est safe, là. Hop, on va save ici. Comme ça, je vais un peu niquer le système. Là, le système, il est en train de se dire, putain, il m'a trop niqué. Et on va essayer de trouver une autre save room. Mais du coup, attends. Parce que comment on va à l'autre save room? Je comprends pas. Ouais. Faut que je passe par le deuxième étage, en fait. Eh, c'est tellement mal foutu, quoi. Spencer, t'aurais pu te démerder un peu mieux, quoi, non? À moins que... Attends. Second floor. First floor. Écoute, je vais essayer un truc. J'y crois pas. J'y crois encore. On est vivant tant qu'on n'est pas mort. Eh, hey, Scooby, fais gaffe au gilet jaune! Macron démission! très très musical ce soir. Ah ouais, non, je suis parti là, c'est le top 50. Hein. Je suis Charlie et Lulu à la fois. Hein. Charlie et Lulu, ça fait ruru. Hein. Écoute, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors, je vais essayer de niquer le Crimson Head avec une cartouche de fusil de chasse. Ou alors, s'il est pas là, je peux essayer de choper la porte direct. Si la porte ne s'ouvre pas, si c'est pas la bonne clé, par contre, je suis mort. C'est bon. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Putain. Ah. Oh, putain. Ah, c'est fermé! Putain! Ouh, mais non, c'est pas marrant. Non, vas-y, descends la remarque. Voilà, ici, c'est bon. To be continued! Voilà. Karim! Ouvre! Karim! Putain, il m'a fait me chier dessus, ce Crimson Head. Voilà, on y est. On est à la maison. Cabane. On va foutre le ruban encreur ici, on va le foutre avec ses copains ruban encreur. On va prendre la partition musicale parce que du coup, bah, il va falloir que je continue le jeu parce que Spider, il a envie que je le continue et j'ai pas envie de décevoir les copains. Examiner maintenant, elle est pleine, c'est ça? Un peu d'ailleurs comme la sœur de Spider, du dit Spider. La partition complète de la sonate au clair de lune. Ok, c'est cool. Du coup, il va falloir utiliser le piano dans la prochaine session. J'espère que je vais pas oublier. Tac, le fusil de chasse, on va le laisser ici. Quoique non, je vais peut-être le garder avec moi, le fusil de chasse, parce que finalement, je pense qu'on va trouver des munitions de fusil de chasse plus facilement que du reste. Donc je pense que je vais garder avec moi, même s'il est vide. Voilà, spray de premier secours. Je vais aussi reprendre le ruban encreur du coup. Putain, que j'aurais pas dû laisser. Voilà, par terre. On touche pas aux sœurs. Ah bah si, ça servira à quoi? Si je pouvais pas la toucher, ça sert à quoi? Avec les héros, mec, toujours mater la fin de la dernière rediff pour se préparer à la suite. C'est vrai. Bon, bah écoute, du coup, je me mets dans la tête qu'il faut bien que je récupère la partition... que j'active le piano. Le piano qui était... Tu sais quoi, je prendrai un post-it, parce que de toute façon, en plus, la prochaine partie sera dans un moment. Donc, va falloir que je me dise qu'il faut pas que j'oublie. Je vais passer à quelque chose d'autre. Mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi, Far Cry 5 ça vous dit ou quoi? Parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de me lancer dans un autre truc. Ok, d'accord, ok.
Ok, je vois le principe. FC5, bah écoutez, ouais, si du Far Cry 5 ça vous dit, on va faire un petit peu de Far Cry 5, ça fait un petit moment. Donc les potos, je vous dis à tout de suite, ne partez pas, on revient dans quelques minutes. Attends, vous voulez que je refoute un petit peu la vidéo du Fred Fradet que j'ai utilisée au début du stream là? Qui était franchement impressionnante. Attends, regarde, je vous la laisse. Et oui, les œils les plus attentifs, les œils, ouais, auront vu qu'il y a une petite image subliminale. Pip, pip, pip. Allez, je reviens les gars, partez pas, je suis à vous dans quelques secondes.